privé. Non, tu peux m'acheter passe de combat. Attends, arrêtez avec ça, quoi, sérieux. Venez pas sur mon stream, c'est pour me demander ça, quoi. Les mecs qui sont même plus chier. Allez, là, vas-y, fais péter. Tu peux me l'acheter. En gros, c'est tu payes et tu fermes ta gueule, quoi. Mais non, ça se passe pas comme ça. Maintenant, quand les gens ils vont faire ça, ça dégage. Tiens, il y a Gotaga qui joue Fall Guys. Warm up pour la suite du tournoi Warzone. Ah, mais c'est aujourd'hui en plus le tournoi. Ah merde. Merde, c'est aujourd'hui. C'est vrai que je vais peut-être faire une draft moi si ça continue. Donc on va chercher les récompenses. Récompenses objectif, pack or. Adresser deux passes décisives avec des défenseurs dans Rival. Hein? Quoi? Ah, c'est pas des Espagnols? Altruiste. Adresser une passe en profondeur décisive dans deux matchs rival avec des joueurs espagnols. Bah si, avec des joueurs espagnols. Ouais, bah, rival, ça va être chiant ça en Espagne. On va voir ce que je peux faire comme équipe espagnole, mais pas ouf, hein, je pense. Hein. Alors, Division Rival. Alors, on va prendre des récompenses. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les deux packs ou... C'est quoi ça? Pack mélangé. J'étais en Div 3, je crois. On va prendre les 15 000, hein. On va prendre les 15 000, hein. Les boum, les 15 000. Ouais, 44 000. Est-ce qu'on peut avoir un bon défenseur pour 44 000? Pas sûr. Faut qu'on fasse remplacer bah Underweireld. Si je peux choper un méga joueur avec un qui peut remplacer Underweireld, ça là je serais pas mal niveau défense. Voilà, ça j'aurais 80. Ah ouais, mais non, ça dégage, je suis con. Vandik. Ouais, Vandik, bon, pas grave, je mettrai à 77, tant pis. Hein. Je mets Vandik, j'ai pas le choix. Ah, tu je peux toujours pas le. Ah ouais, quand t'es vraiment sur le départ en plus, hein. En vrai, hein. Dans GTA 5, on a joué ce matin. Nouvelle voiture, bah deux nouvelles voitures du coup. Faut que je m'achète un parking. Un grand parking pour mes voitures. J'en ai tellement abusé. Alors attendez. De toute façon, même là, faut que je. Bah c'est con parce que mon équipe elle a de la gueule quoi. Putain, c'est chiant quoi. Elle a de la gueule, malheureusement, elle a de la gueule, mais bah ça me fait chier quoi. On va mettre lui et on va mettre bon, on va mettre sa couille, Courpou. Je sais pas si c'est ce que je pourrais mettre, mais on me dit qu'il m'a ça. Bah il y a Pierre Lourd quand même. Hein. Ouais, parce que quand même j'ai Benzema, donc autant s'en servir quoi. Après, il y a l'équipe allemande aussi là, c'est pareil. Lui, je crois qu'il y en a Allemagne 1. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que j'ai quand même Morata et Benzema. Même si Morata il a pas une grosse machine, si je marque avec des buts pas décisifs avec des joueurs, comme ça je vais me faire des machins. Et puis voilà. Arrête tout, c'est ça. Même Italie, hein, même l'Inter Milan, il est qualifié hier. Ouais, ça peut le faire. Hein. Oh, tant pis, on met lui, puis tant pis, hein, tant pis. 66, putain, et les défenseurs sont pas ouf quand même. Hein. C'est abusé quand même. Ils sont pas ouf les défenseurs. C'est pour ça qu'on vient de dire qu'il est à carton rouge, bah je suis dans la merde aussi. Hein. Donc il faut absolument un joueur, hein. Et puis j'ai pas le choix. Hein. Ouais, il faut que je fasse aussi clash d'équipe, parce que j'ai pas encore joué en clash d'équipe.
Donc il va falloir que je joue aussi en clash d'équipe. Alors là-dedans, tiens, on va voir ce qu'il y a à faire. Normalement, il y a un nouveau joueur qui est arrivé, normalement. Apparemment. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais... Ah non, il n'y a rien. Bon, ok. Donc là, il me reste quoi à faire? Marqué dans 60 matchs. Je suis à 44. Marqué dans 10 matchs. Je suis à 8, hein, putain. Ouais, putain, Croft, je pourrais le prendre, mais merde. Délivrer 3 passes pour en profondeur décisive dans le clash d'équipe au niveau pro. Ah putain, j'ai pas fait gaffe à ça aussi. Ah oui, donc ça c'est bon du coup, 1600. Ah ouais, mais attends, ça va être bon du coup ça. Et on gagne quoi? Ah ouais. Bah, on gagne quoi le prochain machin là? On a un ballon, et après c'est un pack Electrum, je crois. Ah ouais, c'est un pack Electrum après. Ah ouais, on se met tellement bien. Bon, on va voir le transfert, on va voir les défenseurs. Là, il faut absolument un défenseur. Défenseur central. Alors. J'ai 44 000. Hein. Alors, il y a lui qui est bien. 60 000. Il y a Hacké, mais il est... Pff, 90, 100... Eh, souvent, eh. Putain, si je pourrais vendre Van Dijk, mais j'ai pas envie, quoi, parce que... Puis ils courent pas vite, quand tu regardes les autres défenseurs, là, en Angleterre, ils courent pas vite. S'ils sont pas une carte boostée, ils courent pas vite. C'est dommage, hein. Bah, Otamendi, il est à 56 de vitesse. C'est mort. Otamendi, il a 56 de vitesse, c'est totalement mort. On pourra pas, hein. Je pourrais pas. Hein. Je vais pas pouvoir. Hein. C'est mort. Hein. Bah 92 Kanté, mais il est pas du tout. C'est pas son rôle, hein, défenseur. On a 88, mais 89 000, je vais pas le prendre. Hein. C'est pas possible. Et regardez, en plus, il est à 82. J'ai une carte à 77, il est déjà bon, physique qui est bien, mais c'est que le physique qui fait que le truc est bon. Après, on a Socratis, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je reprenne Socratis. Malheureusement. Bah, malheureusement, non! Mais il court moins vite que Van Dijk. Et du coup, c'est ça qui me fait chier, quoi. Savoir un joueur que j'avais avant et que je reprends, c'est un peu con, quoi. C'est comme. Bah, regardez, Hacké, il a totalement descendu. Avant, Hacké, il était à 93 de vitesse. Non, non, il était à 91 de vitesse en défense. Et ils l'ont descendu à 74. Donc, du coup, il y a un problème. Il n'y a pas un problème, mais c'est qu'ils ont fait un truc. Je sais pas, faudrait que. Je sais pas. Je. Parce que. Un bon défenseur central. Bah, à part Varane, parce que bon, je suis pas une équipe espagnole. Mais je crois même que Varane, il court pas vite. Hein, en vrai. Hein. Même s'il a une bonne pointe de vitesse, il court pas non plus vite de ouf. Hein. Donc, bah là on a 61, pourtant c'est une carte à 82. Bah ouais, mais non. Bah il y a Lindorf, mais Lindorf normalement pareil, il était bon, mais il l'a rechangé avec les mises à jour. Donc du coup, bah ils ont tout descendu parce que les joueurs ne jouaient plus à cause du coronavirus et du coup, bah ils ont baissé leurs notes. On a Otamendi qui est là, mais il a combien? 80 de vitesse, il a 54 000. Mais non, quoi. Bah, Maguire, c'est hors de question. Ah, t'as mis 56 quoi, il est à 83, 56 de vitesse, tu peux pas, je peux pas me permettre. C'est compliqué, hein. Là, il va falloir que je fasse des tests, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. On a 81, 71 de vitesse, donc 77 Van Dijk. On a 64, je crois, Anderheireld. Donc, non, Vertonghen, il a 64. Hein. Et je suis obligé de vendre, j'étais obligé de vendre Anderheireld parce que il est pas bon, il a pas de vitesse. Après, il y a Rudiger. Et 72 physique, ouais, alors pourquoi il est à 82? Il aurait pu être mieux, non? Je sais pas. Même les gens, ils ont des bonnes cartes, bah ils les gardent, hein.
Ouais, les Vandic, il a 77 de vitesse, c'est pas ouf, hein. Quand tu te prends un missile dans la gueule, bah, ils l'ont baissé, hein, maintenant. Hein. En gros, pour avoir des bons défenseurs, faut avoir des cartes boostées, quoi. 91, regardez, 91 Vandic, mais il y a plus de... Ah, il y a 300 000 quand même, hein. Mais 78. Ils ont juste un ajouté de 1, c'est tout. Ok, 84, ça pourrait le faire. Mais bah, c'est pas ça encore. Donc à la limite, il faut un sacré joueur pour avoir le truc, quoi. Là, on a 87, mais 64 de vitesse. Il est bon, Laporte. Laporte, il est bon. Je dis pas le contraire. Mais en gros, faut que je teste avant. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est d'avoir ça. En gros, là, si j'achète à ce prix-là, il serait. Là, elle est à 18 000. Le mec a mis à 3 400. 3 900. Il vaut 3 900, le joueur. C'est quand même bizarre. 21 000. Si je peux l'avoir moins cher et tester, et si c'est de la merde, hop, je dégage. Ah, il y a 100 minutes, c'est quand même bizarre. Il y a des gens, ils prennent la porte et au final, ils le dégagent. C'est quand même qu'il y a quelque chose, non? Je sais pas. Il est à 64, ça veut dire il va moins vite que Vertonghen. En gros, c'est des tortues, les mecs. Le physique, il est bien, c'est la vitesse qui pose problème. Après, c'est comme ça, hein. Moi, je peux rien y faire, hein. Là, il est à 20 000, là, la limite. Mais dans 17 minutes, c'est mort. Bah, il y avait Gomez que j'avais avant, mais ça problème, c'est que. Autrement, je prends un pack, j'ouvre un pack et je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a un bon défenseur, bah, let's go, quoi. Mais ça risque et péril, quoi, malheureusement. Donc, vu qu'à chaque fois, j'ai pas de bol, moi, donc avec les packs, je sais pas. On fait le test, mais après, je perds mes 7500, donc voilà le problème. Alors, ce qu'il faut, je sais pas. C'est compliqué, hein, quand même, le jeu. Hein. Quand t'as pas de bonne carte, même là, regardez, 70, ouais, 62, 80, il est à 80, le joueur, il est à 86, hein. En gros, les défenseurs dans FIFA sont nuls. À part Varane, ils sont nuls. Et même, je crois même Varane, il a pas une mauvaise carte, mais il a une moyenne carte, je crois. Je sais même pas combien il coûte dans le jeu, Varane. Enfin, je regarde. Vandic, 77 000. Ah, 61, ouais. Ils sont sérieux. Ouais. À voir, hein, la porte, c'est à voir, hein, la porte, je sais pas. Bon, là, on en reverra, là, regarde, j'aurais dû le mettre, hein. Mais quand vous regardez, il est pas beaucoup vendu, hein. Regardez, il y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a qu'un qui a vendu, faut rater. On en reverra, c'est même pas la peine, hein. Ça, le problème aussi, hein. C'est que là, en fin de compte, le problème qui va me poser maintenant, c'est ça. C'est est-ce que je vais prendre un joueur que j'ai sûr, que je suis sûr de pas. Que je vais acheter et derrière, il va faire que de la merde. Sachant que je ne veux pas de 64 de vitesse. Quand tu tombes sur Messi, pas de soucis. Et quand tu tombes sur un Rashford ou un des mecs qui ont de la puissance, bah laisse tomber, ils se font bouffer. Regardez, Vertonghen, 63. Pour 87, hein. Autant avoir un gars qui a 80 et avoir 81, pas bah, comme avant où j'avais Gomez. Mais derrière, tu perds de ouf, hein. Par exemple, là, tu prends ça. Ah, attends, il y a moyen de l'avoir pas cher en plus, hein. Mais 65 de vitesse, malheureusement. Le physique, il est bien, mais la vitesse, c'est pas ouf. 70, c'est qui ce mec-là? Les Sinister. 70, c'est pas ouf. Par contre, en or, en joueur, en gros, faut avoir des putains de bons joueurs. Le 40, le mec, il est 40, quoi. C'est oufissime. Autrement, faut que je regarde dans les SBC. Si je peux faire un SBC, faudrait que je regarde. Dans les SBC, si un jour ils vont m'avoir, je vais avoir un bon défenseur. Bah là, on a Sarabia.
Là, on a un DD, mais c'est Fulham. Oui, certes, il dit bien, mais il faut un putain de, il faut mettre 80 des bananes, plus de 90. Donc du coup, non, ça m'intéresse pas. Je peux pas me permettre, en fin de compte, de changer ce truc-là. C'est impossible. Puis Sarabia, hors de question. Non, il faut attendre, et puis je pense qu'il faut que j'attende pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et bah moi, ce qui m'emmerde, c'est ça, en fin de compte. Bah là, on va regarder Varane. Attends. Varane, je crois même que Varane, il a descendu, hein. Qu'il est, hein. C'est pas ouf hein, non plus. Hein. Varane, il est à 40 000. Après, il est à 83. Ah, c'est vrai que 83, c'est pas mal. Hein. Oh la vache. Ligne 4 à 86. T'as 200 000, Varane. Et s'il y a moyen qu'on l'ait pas cher, ce serait pas mal. Hein. 83 de vitesse, pas mal, hein, Varane. Hein. Vraiment pas mal. Hein. Attends, il est plus cher en carte Ligue des Champions? Ah ouais? Comment ça se fait qu'il est plus cher en carte Ligue des Champions? Ah non, c'est peut-être le mec qui a mis plus cher, je sais pas. Oh, la carte rare de ouf, je pense, celle-là, non, je sais pas. 89, il a 87. Il a 44 000, hein. Ça serait bien, mais waouh. Ce serait bien, hein. C'est con parce que j'ai Benzema. Là, mon équipe serait trop bien, quoi. Je mets Varane avec Ramos. Tiens, Ramos, il est à combien dans le jeu? Même si c'est une carte basique en or, bah c'est déjà bien d'avoir des bonnes cartes comme ça. Sergio Ramos, 89 qu'il est Ramos. Bon, 90 comme ça en pulsé, mais ah, par contre 72 de vitesse, c'est pas ouf, hein. Mais 89 quand même, donc est-ce que derrière il y a des mecs qui sont assez malins? Ah, par contre, hey, c'est exactement la même carte, hein. Ils ont mis plus cher, pourquoi? Je pense que dans le tas il y a un mec qui a mis 40 000 vers la fin, je pense. Parce que le mec était trop riche, je sais pas. Parce que regardez, là il y a 61 000 quand même, c'est pas ouf, hein. 62 000. Je pense que le soir, il va falloir que je joue le soir et regarder s'il y a une différence entre le journée et la nuit. Ce matin, je me suis réveillé à 7 h 30, quoi. C'est abusé. On va jouer et puis on va voir. Déjà, on teste comme ça et on verra. Attends, ce que je vais peut-être garder Ramos. Hop, tac. Ouais, en défense centrale, ouais, ça va être chaud patate, hein. En vrai. Hein. On joue encore un petit peu pour avoir un peu des puntos pour le défi. Après on va jouer en son, on sera obligé de jouer en rival, donc du coup on n'a pas le choix. Après on va jouer en clash d'équipe pour avoir justement le truc, quoi. Donc on va jouer en rival, là on joue en rival, après on joue en clash d'équipe parce qu'il nous faut des points pour le défi de Semedo. Comme ça, si je peux faire une équipe espagnole, donc puisque j'ai Real de Madrid, j'ai beaucoup de joueurs de Séville, Betis Séville, donc FC Séville, machin. J'ai pas, je crois que j'ai pas de joueurs. Avant j'avais Rakitic comme un con, je l'ai vendu. Mais il jouait pas plus que ça, Rakitic. Mais si je peux faire une putain d'équipe espagnole, ben voilà quoi. Ça serait pas mal. Donc je vais voir après, Salut à je vais tous, checker le ça. spectacle s'annonce passionnant ici au stade Vélodrome et nous aurons Pierre Ménès Ouais, et moi mec, le il doit avoir des plaisir de putains de cartes, commenter j'ai même cette pas vu. rencontre. Jamais de temps mort hein, en division Rivals. Voici donc un nouveau match. On devrait voir du spectacle, Pierre. Eh ben ça, c'est une rencontre qui vend son pesant de ce que tu voudras, mon petit Hervé. Mohamed Salah. Ah, beaucoup trop loin pour espérer sur. Attention, le gardien qui loupe complètement son dégagement, c'est dangereux. Le gardien qui repousse, attention. André Gomes. C'est à la fois inquiétant et rassurant ce qu'on vient de voir. Le gardien a sorti le grand jeu, mais bon, il ne pourra pas le faire à chaque fois non plus. Hein. Lui qui a envie de jouer son rôle de 12e homme, c'est le bon moment.
Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Ederson dans les buts. Arthur Mazwaku sera présent en défense aux côtés de Kyle Walker. Riyad Mahrez sera au milieu de terrain associé à André Gomes. Et voici pour finir les deux attaquants que l'entraîneur a retenus. Oh, c'est gardien. Quel dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Oh, le bâtard, il a eu. Sadio Mané, le Sénégalais, on va le suivre bien sûr de près dans ce match. C'est un joueur qui n'est pas timide, qui provoque. Ça recommence à faire ça. Aussi. De son côté, Kylian Coman est un joueur qui sait apporter le danger en une passe ou un geste. Dès qu'il touche la balle, il faut tout de suite le presser, sinon il a vite fait de distribuer quelques caviars à ses coéquipiers. Alors, il faut le mettre celui-là. Ederson, qui avait bien senti le coup. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mohamed Salah, Antonio. Oh là là, c'est quoi ça? Pareil, ce ballon en profondeur mal maîtrisé. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Bruno Fernandes. Antonio. Mohamed Salah. Allez, il faut prendre l'espace. Oui. Ah, il fait le gogol depuis tout à l'heure avec ses joueurs là. Tiens, oh, ta mère toi. Fait le gogol avec ses joueurs là. Oui, Antonio encore les amis. Antonio les amis. Vraiment, je suis très content. Hier, vous avez vu quand j'ai joué avec Toto, il dit putain, c'est quoi ce joueur? En fin de compte, il est très étonnant. Moi, j'aurais pu le mettre, Hervé, même moi. Je suis pas sûr. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Et sachant que j'ai pas Van Dijk, hein. André Gomes. Merton Gunn. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, après tout, pourquoi pas. Oh, il était temps d'intervenir, là. Karim Benzema. C'est la voir. Benzema. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Oula. C'est la voir. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. André Gomes. Je vais le faire chier. Ayrton Gunn, ils font un peu de la passe à 10 là, ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Ballon emmené sur l'aile. Salah. Ballon en profondeur. Sadio Mané. Oh merde, dommage. Allez, je lui fais faire chier là. La défense qui a eu chaud. Gunn, Kyle Walker, Mazwaku, Riyad Mahrez. Oh non. La passe est interceptée. Oh non. André Gomes, Riyad Mahrez. Ah le bâtard, il l'a eu. Allez, reviens en arrière. Ah oui, la bonne passe. En jeu. En jeu, en jeu. Benzema. Oh, c'est bizarre de voir Benzema avec le maillot de Liverpool. Ah oui. André Gomes. Ouais, on passe par les côtés. Il l'a eu. C'est bien défendu. C'est à voir. La passe est coupée et bien défendue. Antonio, ça aboutit finalement à cette perte de balle. Oh non. Ah, le bon ballon de Benzema. C'est à voir.
Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Première erreur de ma part. Faut que je fasse le con. Nelson Semedo. Ah non, le ballon est perdu. Non, putain. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Oh putain! Il essaye de trouver la faille avec Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Ça, qui repousse, ça joue! Sous la pression de l'adversaire. Allez! Passe en profondeur. Allez! Oui! Attention, c'est pas terminé! Et la voilà là. Oh oui! Oh là, hey. Ouais, c'est pour le gardien. Ben le mec, il a des putains de joueurs et il est chelou. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Mais pas hors-jeu. Attention, le centre. Oh, oh. Il va y aller. Oui. Oh, le but. Oh, le but, les amis. Quel but. Allez, Rashkit. Oh, lolo. But de qui? Rashkit, ça sent le Rashkit. Oh, le Rashkit! Oh oui! Putain, le mec, il est le putain d'équipe, les amis! Putain! Copier équipe adverse. Copier l'équipe de votre adversaire. Oui. Vous avez copié l'équipe de votre. Avec succès. D'accord. Bon, voir, hein. Bon, c'est qui comme joueur qu'il avait? Et on fait comment après quand on l'a fait, quand on a copié pour voir c'est qui qu'il avait comme joueur? Bon bah voilà. Eh bah on a gagné. Écoutez, on a gagné en rival. Et franchement, je suis très content. Voilà. Plus 20. Boum, on a un quart. Allez, on a plus d'un quart. Oh, j'ai 15 points. J'ai gagné. J'ai quitté. Oh, déjà. Oh. What the fuck, je suis du rang 3. D'accord. 5850, what the hell, bro? 5000, what? Que ce bordel? Abonne-moi des points, moi je suis content, hein! Mais what? Pourquoi j'ai gagné autant de points? On a un ballon de foot, boum! Oh là là, mais pourquoi j'ai 5000 points? Je comprends pas. On a gagné un ancien ballon de foot, dis donc. Ah non, mais what? Je gagne 2-0, Rashkit, boum, hop, 5400 à des bananes. Je sais pas pourquoi, mais 5000. Bon, bah écoute, bah merci. Il dit pas non, ouais. Ah, il y a ça, peut-être, non? Ah, c'est ça, je crois. Ah oui, regardez. Ah oui, c'est ça. Donc là, marqué. Ah, bah clash d'équipe, pro. Faut que je sois en pro, et c'est bon. Bouah, énorme. Et là, c'est quoi? Délivrer 3 passes en profondeur décisives dans clash d'équipe. Ah, d'accord. Au niveau pro aussi. Et il y a quoi d'autre à faire? Il y a Cruyff. Putain, j'ai gagné, putain. Et la preuve, quand même, de changer. Le mec, il est à 86. J'ai juste acheté. Et j'ai même pas acheté ce joueur-là. J'ai juste fait, bon, j'ai donné tous mes joueurs. Mais en vrai, c'était vachement rentable. Parce qu'en fin de compte, c'est trop bien. Je suis trop content là. Je suis méga content, quoi. J'espère que dans le pack Electrum, ils vont pas me donner une grosse merde. Ça serait cool. Par contre, je sais pas comment faire pour... Attends. Et en même temps, en plus, elle était pas non plus forte de ouf. Hein. Elle est pas ouf. Par contre, lui, le 86 là-haut, là, il est très très fort. Hein. C'est un crack. Hein. Mais totalement. Hein. C'est waouh, je suis à bas sur, je suis waouh sur le cul. Je après en plus derrière j'ai 89 de vitesse avec Vardy, mais quand vous mettez les deux là, ah oui attends, ils ont augmenté 95 de vitesse maintenant. Ah ouais, mais c'est des dingos. On va remettre Van Dijk, hein.
Normalement, il n'a plus de carton rouge. Hop, on le remet. Par contre, lui, le petit Tomori est très très fort. Hein. On va le remplacer avec lui. Voilà. Hop. Il va falloir que je mette un espagnol, un DLG machin là. Hop. Ah, Firmino, désolé, je crois que Firmino, je vais le vendre. Hein. Donc là, maintenant, par contre, il va falloir qu'on change dans. Là, en gros, elle est pas mauvaise, mon équipe. Le truc, c'est pas ça. Elle est pas mauvaise, mon équipe. Le truc, c'est ça, c'est qu'elle est pas mauvaise. Elle est juste. Elle a. Par contre, quand je fais des méga erreurs, je me prends un but parce que ils savent pas courir, les deux, là. Donc là, vu qu'il y a une nouvelle mise à jour, en fin de compte, ils ont augmenté celui-là et celui-là. Et pourtant c'est Everton, il n'y a pas de... Il n'y a rien, mais je pense que plus tu joues avec eux, plus ils vont avoir des bonnes machines, je pense, je sais pas. Par contre si je fais ça, je fais carré entraînement peut-être. Je sais pas, je sais pas, je suppose. Ah non mais attends, c'est copier l'équipe pour voir qu'est-ce qu'il avait comme joueur le mec. Comment on fait? On sélectionne une autre équipe, non? Je sais pas. Parce que j'ai copié une équipe, effacer, choix, copier équipe, R2, équipe concept, R1. S, on va mettre S. Oula, on va mettre ça comme ça au pif. Hein. Hop. Et là, on fait. Alors là, comment on fait pour remettre l'équipe qu'on a fait tout de suite? Ajouter joueur. Parce que, par contre, j'ai copié tout à l'heure une équipe, mais je sais pas comment faire pour la voir, l'équipe que j'ai eue tout à l'heure. Recherche, ajouter, aide. Comprendre les vues, attributs, éléments, lien du collectif, bonus, non, c'est pas ça. Non, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Ah, merde! Secteur d'équipe, celui-là faut que je l'efface. Le paradoxe, ça faut que j'efface. Effacer. Hop. Oui. Du coup, ouais, on est pas mal. Donc c'est au pif, on a 100. Et pas au pif, on est. En plus, on est en 4-4-2. Celle-là, elle est bonne. Elle est très bien comme équipe, celle-là. Bah, elle est très bien. Le collectif, elle est très bien. Mais. Comment expliquer? Comme je vous ai expliqué, c'est que là. Maintenant, faut que je trouve un sacré défenseur pour pouvoir, en fin de compte, bah, pour être bien, quoi. Mais le truc que je sais pas, c'est dans les packs Electrum, c'est bien ou pas. Toto, il me dit que oui. Toto, il m'a dit que oui, dans les packs Electrum, c'est trop bien. Mais je peux pas savoir si c'est bien le pack Electrum. Allô? Allô? Salut? Allô? Allô? Ok. Bah, allô, écoute, hein. Allô, bonjour, oui, bonjour, assistance, comment tu vas? Ah, d'accord. Comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue sur le stream. Ça, le problème, c'est pack Electrum, est-ce que ça va être un bon pack ou un pack dégueulasse? Comme d'hab, à chaque fois, vu que c'est assez aléatoire, 12 500, 3 joueurs rares. Voir les probabilités. Hop. Donc là, c'est un pack... Attends, c'est quoi comme pack? Mais attends, j'ai pas vu. Pack joueur premium or. Comment tu vas, Momo? Alors, pack Electrum, on peut pas voir en fin de compte. Pack premium or, 86. 4% de chance d'avoir des bons joueurs de 86. Putain, c'est ouf. Comment on va faire? Ça va être chiant, putain. 86, 4%. T'as 100% de chance d'avoir un 75. Perdre 12 000 pour ça. Bah putain. Ça me ferait chier au cul. Ça. On va jouer au clash d'équipe et puis on va voir. Hein. De toute façon, il me faut. Ouais, bah c'est bon. Faut qu'on fasse juste ça. C'est bon. Bah clash d'équipe du coup. Puis let's go. Ah tiens, Liverpool. Attends, c'était quoi déjà comme clip ça? En espérant qu'EA se plante pas encore une fois. Ce serait bien. Ah ouais, ça c'est. Oh ouais, la gueule de l'équipe en face. Oh. Ah oui, quand même. Ah oui. La Zidane en plus. Oh la vache.
Un mot qui vient d'arriver, il est peut-être parti. Comment tu vas? Il est parti. Allez, salut! Ah, ils sont partis. Allez, salut! Quand tu crées un compte, c'est pas bon. Allô, à l'huile. Bah, les gens maintenant qui créent leur compte hier, avant-hier, c'est mort. Ça dégage. Ça dégage. Ils me disent même pas bonjour. Ils me disent bon, allô? Ils disent même pas bonjour. Comment ça va? Comme le mec de tout à l'heure. Hein. Même pas bonjour rien du tout. Ah bah ils se follow. Bah, pas parce que tu te follow la chaîne que je vais t'acheter des choses. Hein. Faut être con. Mais c'est pas parce que je suis affilié que je suis riche. Hein. Loin de là. Loin, 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 loin de là. Pas croire. Faut pas croire des choses. Est-ce qu'il y a Toto qui est connecté? Ah, peut-être. Il y a 5 là. C'est pareil, il y a un mec, il voulait jouer avec moi et au final, je l'ai tiré parce qu'il vient plus. Ça, c'est clair. Ah, il y a Fortnite Turc qui est là. Solo. Ah ouais, mais merde, c'est maintenant qu'il joue. Aïe, aïe, aïe. Faut pas que je joue à Fortnite parce qu'après, il va dire waouh, c'est là. Ouais, j'ai joué tout à l'heure avec les voitures. Bon, voilà. Bon, je sais pas si je joue. Par contre, on en parle que le mec, il a que des bons joueurs là. On va jouer, hein, mais pas. On va mettre amateur, hein, je crois. Ça va être direct, hein, semi-pro, ça va être chaud. On va se mettre amateur, hein. On va se mettre amateur, hein. Là, y a pas à chier, hein. Le mec, il a 99 d'un partout, on l'a dans le cul, hein. Hey, regardez, le mec, il a plein de grosses cartes. Ah non, 91, 91, 88. Moi, j'ai 83, 81, 84. Voilà. Je dis ça moi, mais hein. Oh, ah, mais après c'est le joueur de Liverpool en même temps, hein, que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Avec 6 heures. Salut à tous, bienvenue ici à Liverpool dans le mythique stade d'Anfield. Putain, j'ai Un gagné match quoi. que vous allez vivre avec nous, Hervé Matou et Pierre Ménès. Donc là, dans le pack Electrum, putain, faut avoir des bonnes cartes. Hein. Qui nous attend. On espère bien sûr voir du spectacle. Ouais, c'est toujours intéressant à suivre comme compétition. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre au niveau des compos. De non, par contre, je suis amateur, hein, j'espère que je vais pas perdre le match. Va pratiquer. J'espère qu'on va avoir un bon match. Cristiano qui perd le ballon. L'équipe à domicile, dont voici la composition. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Ce sera un concédé par la défense finalement. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Gullit. André Gomes. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. Ouh. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes Ah merde, je suis planté le joueur. Mais voilà. Au fil du match, on revient souvent à ce système. Ouais, je suis souvent 4-4-2 moi. Oula, non? Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Ouais, peut-être une situation intéressante là. André Gomes. Riyad Mahrez. Mohamed Salah. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Riyad Mahrez. Oh, l'arrêt. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, fallait y aller quand même. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Oh, Van Dijk qui aurait marqué, le retour de Van Dijk. André Gomes. Allez, tire. Oh, la frappe. Sandbaker, attention, il a lâché le ballon. Le centre finalement qui est récupéré par la défense. Non, la faute. Oh, bien joué. Mohamed Salah. Oh, salaud. Le ballon dans les pieds de Maldini. Par contre, le mec, celui que je joue comme ça, c'est mort. Le mec, il a les mêmes cartes là, c'est mort. Je joue pas moi. C'est parce qu'il voulait faire, à peine vu les cartes, moi je suis allé, c'est bon. Hop. Ah, mais la vache. Bien défendu. Oh bah 80 des bananes qu'il a lui comme défense. Taré lui. Andrew Robertson. Putain, il est bon hein Antonio, arrête ça.
Tonio. Un petit peu d'espace pour centrer. Oh, c'est quoi ça? Plus loin, c'est repoussé. Un corner adressé au niveau du point de penalty. C'est un petit peu. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mané. Oui, Mané qui va. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Antonio. On va mettre ça là. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Antonio. Oh, la part. Ah, le sauveur était là. Et là, vraiment, il est de feu. Le ballon dans les pieds de Maldini. Et le public qui se dit que son équipe n'a plus rien à perdre maintenant. Après, voilà, je joue, moi. C'est un nouveau but. Ah, ils perdent ce ballon. Pour l'arrêt. Dans l'axe en même temps, ouais, c'est sûr. Qui repousse. Sadio Mané. Antonio. André Gomes. Allez, il faut centrer. Merde, j'ai regardé pas le joueur, merde. Oh, bien joué. Ouais, la frappe. Oh, allez, l'arrêt. Putain. Ah, c'est une bécure trop fort. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Ce sera droit dans les bras du gardien. Allez, donne-moi le ballon. Rodguil est à récupération. Oh merde, il a récupéré. Tac. Voilà. Allez, ouais, suite. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Pour là-bas. Marez. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Essaye de trouver la faille. Allez, le centre maintenant. Oh, il y a personne pour l'arrêter. Pas imaginé. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ah oui. Oh la récupération. Antonio. Ah, c'est Antonio. Encore Antonio. Hein. Il est très bon, hein. Putain, c'est ouf, hein. Par contre, là, je crois que, ouais, je crois que je vais vendre Firmino. Hein. Je vais vendre Firmino, hein. Hey, il est exactement comme lui, hein. Oula. Oula, non. Antonio. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Belle passe en profondeur. Oh oui, quelle passe encore! Oh là 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 là! Oh, let's go! Oh, c'est super ce qu'il fait sur cette frappe. Il met vraiment le ballon hors du poteau, hors de portée du gardien. Bah, est vraiment, Antonio! Putain, c'est ouf, hein! Quelle passe! Oh non, ce bruit. Boum. Ouais, le ballon. Ah ouais, c'est vrai qu'Alison Becker, il va falloir que je l'ai. Hein. Je sais pas comment je vais bouffer leur truc, mais. Ronaldo, toujours. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ça s'appelle dangereux, attention. Attention, il n'a pas capté Ederson. Oula. Antonio. Riyad Mahrez. Oh, là-haut. Là-haut, allez. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Antonio. Ouais, lumineux, cette passe. Attention au poteau. C'est pas fini. Tu connais le mec qui a que des poteaux? Bah, c'est moi. Bah, trop loin, beaucoup trop loin pour avoir le ballon. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Antonio. Oh, là, rien encore. Oh, what the fuck, le gardien, toi, les arracs, il nous sort. La belle frappe, la PAM. Ouais, mais encore sur le reste, dans l'axe, hein, je pense que. Ah non, il saute, hein. Oh lolo.
Il est fort, Alisson Becker, quand même. Point de pénalty, et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Allez. Mi-temps donc ici avec. Oula, c'est l'œil blanc là-haut. Attention. Alors, est-ce qu'on va assister à une seconde période à sens unique comme la Je crois première. Que c'est Toto qui crée des comptes pour demander des passes de combat. Non, je rigole. Il fallait qu'il ait le terrain. André Gomes. Ariane Marez. Non, non. Qui est rendu au camp adverse. Mohamed Salah en bonne position. Ah, ouais, c'est oh. Ça. Sam Becker, attention, il a lâché le ballon. Ça presse haut, attention à ce ballon. Ouais, là, oh, elle est belle. Oh, oh, c'est qui que tira comme ça? Quel plongeon. Ah, bah, reste encore. Et du pied gauche, hein. Tout le monde dit qu'elle la ramasse. Oh, l'arrêt qui nous sort, lui, sérieux. C'est ouf, hein. Eh, hey, Becker, il va falloir que je regarde comment il coûte, hein. Le tireur qui a visé non. La tentative de bicyclette. Ah, la bicyclette. Ouais, sauf à moi un coup de bol, parce que là, c'est quand même passé loin. Mais c'est vrai que mon petit... Je suis pas du tout déçu, hein. Vraiment. Ah, sinon. La voie est libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Oula, c'est quoi ça? Le ballon qui a filé la sortie. Eh, tu fais quoi? Oh, je suis en douche. Antonio. Ouais, bien joué le défenseur. Oh, pop, 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 pop. De Bruyne. Oh, merde. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Allez. Wouah, ah ouais, ah, les deux ensemble c'est ouf, hein. Et pourtant ils sont pas tous deux dans la même équipe, hein. Oh là, hey. Mahrez, il a une putain de frappe, c'est abusé, hein. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du bah non, oui, on va voir si c'est changement, on va entraîner. T'es bon, mais pas ce point là, gros. Tac. Oh. Ça a pu le faire. Zidane. Mini-ni-ni-ni-ni-ni-nan. Oula. Ouverture. Oula. Sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Allez, un changement dans cette équipe, bien. Ah, c'est Lionel Messi qui cède sa place à Neymar. Neymar. Pour les défenseurs adverses, c'est ce jusqu'au coup de sifflet final. C'est con ce que j'ai. Je sais pas comment faire pour lui faire les gros coups de boule là. Il s'avance vers la surface. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Oh là 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 là. Bonne inspiration sur cette passe. Allez. Oh, goal 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 Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ouais, la faute, hein. Ouais, coup franc, bien sûr. Allez, le joue vite. Oh, le bâtard. Il s'empare du ballon. Il était avancé, je voulais le lober, mais vu qu'il était à l'intérieur vite. Les supporters locaux qui font profit bas aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes, le moral est touché, c'est sûr. On va mettre ça là. Oh, elle est belle. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mané. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Antonio. Hop 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 hop, le salaud. Ouais, oh, l'enculé. Pop pop pop. Énorme. Énorme. Moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ouais, il est passé. Oh là 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 là.
il est en train de faire, c'est son troisième but. Un triplé d'Antonio, je crois. Son troisième but dans ce match. Allez, on va mettre Rashford. Et pour dire qu'il est à 86, hein. Il est à 86, le petit bonhomme, hein. Alors, je sais pas si un jour il sera en carte boostée, mais déjà, il est monstrueux. Ils l'ont augmenté de 3 niveaux sur la carte, hein. Et ça fait maintenant 6-0. Il a 95 de vitesse, hein, quand même, c'est abusé, quoi. C'est un crack, c'est tout. C'est. Masuaku. Oh, c'est bien mené, ça. Sadio Mané. Ça peut être dangereux, attention. Son Becker. Oh merde. Oh là là. Voilà, attention, il est pressé. Oh, merde. Il est pris, ça peut être dangereux. Oh, pas de chance, c'est sûr, mais peut-être que ça va donner envie à cette équipe d'insister un peu plus. Faut continuer d'attaquer. Ah, et bonne intervention. Bien joué, ça. Décisive du défenseur sur cette action. Oh là-haut. Oh, elle est belle. Elle est belle. On va chercher ça là au second. Oh, bâtard. Il a bonne présence là du gardien. Il l'a eu, hein. Un petit peu pressé sur ce ballon. Riyad Mahrez pour Mohamed Salah. Oh là, il nous fait lui. Il est bon, hein, même si bon après je suis en amateur, hein, vu la gueule de l'équipe en face, je vais pas me mettre en semi-pro pour perdre de ouf contre eux, hein, c'est mort. André Gomes. Oh là-haut. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Oh, il peut centrer. Salah. Avec Salah en bonne position. Oh, le batteur. Oh, le poteau. Oh, cette fois, le danger. J'en ai marre du poteau, sérieux. Vraie occasion de but. Ça va mal pour cette équipe. Et évidemment, le public n'est pas content. Il va devoir aller chercher un peu plus ses ballons. Oh, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Mohamed Salah en bonne position. Oh là 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 là. Ah, il est en jeu. Oh, dommage. Hein. Ah, c'est dommage, hein, pour le joueur qui filait. Et finalement, l'arbitre a allez, Vardy. De mettre le jaune. Allez, Vardy. Je sais pas s'il y a des joueurs des Libanais dans le foot. J'en ai aucune idée. Oh, il a Sancho, le mec. Après, moi, je l'ai aussi. Rashford. Ah, il a bien failli marquer avec cette frappe longue distance. Allez, Madison. C'est vrai que Madison, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Hein. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, le bon ballon de Jimmy Vardy. Ouais, le ballon dégagé par Paolo Maldini. Ouais, je crois que j'ai le ballon. C'est bon. Allez, vite, allez. Jimmy Vardy. Ryan Mahrez. Rashford. Oh, je crois qu'il est hors jeu. Aïe 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 aïe. Un chouïa trop tôt et l'arbitre assistant l'a gardé. Il y avait hors jeu. Là. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. T'es hors jeu, toi là, ouf, pas le con. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Oh, bien joué. Le ballon qui est perdu. Ça c'est con, normalement on peut pas mettre deux joueurs, c'est con ça. Ryan Mahrez, Jamie Verdi, attention ça peut faire. Ah oui, oh, le comme le but de Dwight Toto, pareil. On revoit le but qui ne fait que confirmer une victoire acquise plus tôt dans ce match. Alors, c'est quand même un peu dur. Rashford. Le site de ce match ne fait plus aucun but désormais. Oui. Pas grave, m'en fous. Au, au moins ça fait, de, ça fait des puntos en plus, hein. Oh, ça va. Ça se termine lundi. On a des crédits. Alors, est-ce qu'on a des. Ah, on en a pas. Ah merde. Ah bah non, c'est pas en pro, je suis con. Pff, n'importe quoi.
Il me faut. Là, faut que je sois au level 20. Comme ça, j'ai Electrum. Genre, Electrum, ce sera trop bien. Là, il me manque. Il faut 44 600. Ah, il me faut environ 600 points, quoi. Ce serait pas mal. Alors là, j'ai rien fait là. Oh, putain, j'ai encore rien fait là aussi. Ouais, mais avec des joueurs de la Liga, donc autant jouer avec des joueurs bah full joue full espagnol, tant pis si je perds, au moins si je peux marquer des buts, adresser des passes décisives avec des dribbles. Bah en gros faut jouer avec des joueurs ouais ça va être chaud hein. Adresser une passe décisive dans deux matchs rivals avec des joueurs portugais. Ah, j'ai déjà fait un avec un. Ok. Là, j'en ai deux. Bah, c'est Benzema. Enfin, contre, faudrait que je mette. Bref, faut absolument que je fasse une équipe espagnole. But. Alors, marquer un but de victoire clash d'équipe au niveau pro. Ah, ça fait 1000, hein. En tout cas, faut que je le fasse aujourd'hui, c'est obligé. Faut que je le fasse aujourd'hui. Est-ce qu'on a le truc ou pas aujourd'hui? Attends. Ouais, on l'a fait, il nous reste. Ah, on peut pas savoir c'est quand qu'il est le. Dans un jour! Ah, donc demain en gros il y aura un nouveau joueur du coup? Ah, il y aura des nouvelles cartes demain? Ok. Ok. C'est bon à savoir ça. Donc ça, je suppose que c'est pareil, non? Je sais pas. Là, quand tu es SBC aussi, du coup? Jours, si. Ah merde, j'ai pas vu le temps. Mais non, putain, con. Alors, 6 jours, 47 minutes. Hein, celui-là, il a 47 minutes, celui-là. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau truc ici. Il reste combien de temps, celui-là? Une heure. Dans une heure, il y a un nouveau truc ici. Ce truc là d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, c'était quoi? Joueur, Shakhtar Donetsk. Ah bah attends. Joueur d'un club minimum 2. Note 80. Attends, je peux le faire ça, non? Shakhtar Donetsk, je crois que j'en ai un, je crois. Joueur d'un même championnat, max 2. Ah ouais, chou. Joueur d'un club. 2 minimum. Note générale 80. Oh, Shakhtar Donetsk. Je n'ai pas de Shakhtar Donetsk moi. Allemand. Bah, il faut 80. Je mets un gardien, je sais pas, espagnol. Shakhtar Donetsk. Je sais même pas si j'en ai. Bah attends, je suis con. Fais recherche. C'est quoi comme. Ukraine, c'est quoi comme. Championnat, c'est quoi comme championnat? Je suis Tardonesque, c'est ukrainien, mais c'est quoi le nom? Tchèque, Norvège. Corée, Mexique, Colbre, Croatie, Donetsk, c'est Ukraine, Russie, Ukraine, voilà. Et du coup, club Donetsk. Oh, j'en ai un. C'est un MDC. Oh, nickel. Merde, c'est un MDC. Bravo. Boum, hop, voilà, ça c'est fait. Ça, on s'en fout.
Ça c'est bon, c'est fait. 80. En plus, il est à 80, c'est nickel, parfait. Je crois que je vais prendre ma chaise. Ouais, de toute façon, je peux manger tard, je m'en fous. Ma bouffe est déjà prête. Attends, j'arrive. J'ai juste décalé tout et je vous dis tout de suite. En gros, il nous faut joueur d'un club 2 minimum. Note générale 80 et collectif minimum 80. Et ben on va essayer de le faire. Hein. Donc là, en fin de compte, on va faire ça. Par contre, maintenant, on met pas recherche à partir du joueur. Attends, désolé, vous allez avoir à entendre le ventilateur. Parce que bon, voilà. Hein. Du coup, ça on tire. Bien le con. Non, le con. Ah, c'est bon. Du coup. MC. On va mettre espagnol. Hein. Par contre, vous avez vu, j'ai beaucoup de joueurs allemands hein, quand même. Hein. Regardez, le Werder Bremen quand même. Hein. Très bon, je suis content. Moi, regardez tout ce que j'ai comme joueur. Ah merde, c'est le même. Ah merde. Est-ce qu'on peut mettre le même joueur dans la même équipe, mais différent, en Allemagne? On verra. Donc on veut un espagnol. Bon, Naples, on s'en fout. Hein. Je sais pas. Bon, on va mettre Naples, on verra plus tard. Là c'est bon, et maintenant bon, on laisse le jeu faire et puis c'est bon, on met tous les clips qu'il veut. Ah, par contre, il veut des trucs spéciaux en ce moment. On est en Italie, on est à 30, on va check. Hein. Italie, on va mettre. Après, ce que je peux. Attends, c'est quoi je mets là? Je mets en plein centre, je peux mettre espagnol. Ah merde, elle est au Portugal, con. Ah con, attends. Donc Italie, voilà, là, faudra mettre Italie. Ah merde, c'est chier, il est là, lui, putain. Ça fait double machin. 79. On verra si on pourra mettre, on pourra augmenter. Ah d'accord, ok, super. Espagne. À la limite, DC. Hop. Ah, il y a deux joueurs de Sporting. Ouf. Ça va être chiant, ça. Espagne. Là. Calero. 78, putain, par contre, il va falloir mettre un gros joueur en plein centre là. Aïe, ça va pas être évident. Bon, on va mettre Martinez, tant pis. Hein. Ah non, attends. Ça va être chiant ça. 80, soit on va mettre 80. Hein. On a à l'heure. Putain, à l'heure. Non. Il faut Italie là. Il faut Italie. Italia.
on a pris l'Italie. Porto, Monaco, Wolfsburg. Putain, j'ai même pas que j'avais une carte comme ça. C'est quoi comme carte déjà? Ah, c'est une tote. Putain, j'ai une tote aussi comme ça. Oh, d'accord, ok, intéressant. Je savais même pas. Ok, 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 ça va pas. On a Baca, mais qui vient de bah, Espagne. Et là, ça fait 72. Alors pourquoi 72? Ah ouais, on a 75 ici. Joueur d'un même championnat Max 2. Ah merde. Ouais, du coup c'est mort. Bon, bah, écoute, on va effacer ça et puis on va faire créateur d'équipe. Hein. On va faire ça, on fait ça, hop. Et on regarde ce qu'il va nous donner. Ah, on peut pas. Bon, ok, c'est la merde. J'ai pas assez de joueurs du coup pour fabriquer une équipe entière. Ah, Max. Attends, joueur d'un même championnat, Max 2. Bah, on fait Espagne et. Ah, ouais, mais attends, t'as Shakhtar Donetsk. Donc, du coup, t'as pas le choix de prendre Espagne. Ah! Comment prendre Angleterre? Ah ouais, c'est chiant ça. Bah déjà, il a même pas mis le joueur de le Shakhtar Donetsk. Je sais pas ce qu'il nous fait lui. Déjà, les joueurs concept, on peut les dégager. De les joueurs qui sont en prêt, donc c'est déjà ça sert à rien. Je sais pas pourquoi il met ça lui. Hors de question que je mette ces joueurs là, mais ça va pas. Il est con. Bon, attends, tu sais quoi, je vais effacer parce qu'il a fait de la merde. Mais... il nous a fait de la merde. Putain, le con. Attends, Shakhtar Donetsk, il est à 80, je crois. Attends, c'était quoi comme truc d'ailleurs? J'ai même pas fait gaffe, c'était quoi comme pack? FIFA 20. Défi mi-temps. UEL UEL pack joueur Electrum rare. Ah ouais, non, mais là ça, il faut hein. Il faut le faire, il faut le faire. Il reste 1h16, il faut le faire. Il faut trouver le bon truc, celui-là là, pour avoir un bon joueur Electrum. C'est normalement Electrum, c'est, ça doit être bien, non? Championnat Max 7. On veut le championnat Shakhtar Donetsk. Donc Shakhtar Donetsk, bon, on avait dit que c'était MDC, mais vu qu'on n'a pas, on met dans l'autre. Et il faut deux championnats. Bon, on va prendre Espagne et puis bah Espagne du coup, parce que vu qu'il y en a un déjà que Shakhtar Donetsk. Faut que je regarde c'est quelle équipe que j'ai le plus hein, par contre. Italie, j'en ai beaucoup, hein. France, j'en ai pas plus que ça, mais Angleterre, ouais, j'en ai beaucoup. Je suis Paredes, putain, je savais même pas. Mais en vrai, Paredes, je pensais qu'il était aussi mauvais que ça, mais ça va en vrai. Hein. Merde, il est où? On avait dit 80. Shakhtar Donetsk. Shakhtar. Ah, Espagne, hein, quand même, hein. Il y en a beaucoup, l'espagnol. Hein. Chier ça. Espagne, Espagne, Espagne. Shakhtar. Bah merde, you ce con. C'était un 80 pourtant, non? Le vrai. Ah, c'est un 80. À moins que je sais plus lire, mais. Là, Shakhtar, si c'est un 80, c'est lui. Du coup, nous on mettait là. Et maintenant, faut mettre. Donc là, ça fait déjà 1. Donc là, maintenant, faut choisir le bon. Et après, ça sera bon. Par contre, là. Là, il m'en faut 10 d'Espagne, quoi.
être la merde, hein. Ça va pas être bon. Je pense pas que ça va être bon, hein. Ah, le gardien d'hier, le là, regardez. On va le mettre, hein. On va mettre Espagne, hein. Ah, attends, si je peux mettre Angleterre. Bah, du coup, ça peut compter comme Angleterre, du coup, s'il met max 2. Je fais Espagne-Angleterre, point barre. Cela, il y a quoi? Il y a Allemand. Bon, on va mettre ça à Espagne déjà. Ah, mais attends, c'est normal. J'avais mis Allemand. Italie aussi. Non, j'avais mis Italie. Donc, du coup, c'était mort. Normal. J'avais mis Italie. Mais si je fais Espagne et Angleterre, là, on met Angleterre, c'est bon, hein, ça passe hein, normalement. Non, on va mettre Angleterre, c'est bon. Hein, non, c'est... À 80, on va mettre Tillmans. Wisher aussi, qui est pas mal. On va mettre Wisher. Par contre, joueur d'un club max 2. Minimum 2. Alors pourquoi là, il me compte pas dans le bon truc? Je comprends pas, par contre. Je sais pas, c'est bizarre. Attends, on va voir Angleterre encore. Ah, on va mettre Espagne là, du coup, pour voir. Espagne. On va mettre Morata peut-être. Non, on va mettre celui-là, regarde. Espagne, c'est bon normalement, qu'est-ce que tu me racontes toi? Bah, joueur d'un même championnat, bah, Espagne, max 2. Fais chier, toi. Ah, bah là, maintenant, il dit, oh, c'est quoi ce bordel? Joueur d'un club, minimum 2. Ah, donc, on va compter là, pour l'instant, ça se passe bien. Mais quand je le mette... on va pas compter, on va mettre ça. Là, il veut plus. Là c'est bon. Enfin compte, faut pas que je mette joueur d'un club minimum 2. Je comprends plus rien. Moi. Alors d'un club. Ah, mais du coup je peux pas mettre espagnol, du coup ça va être mort. Du coup faut que je trouve un 82. Si je fais ça, 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 là ça c'est bon. Là, wow, pff, ça va être chiant. En gros si je fais ça, c'est plus bon. Oh, ça va être la merde. Oh. Oh la vache. Faut que je mette plein de championnats du coup. Faut que je mette... Attends, j'ai mis quoi? Je sais plus. Italie? Non. Putain, c'est ouf. Ah ouais, ça va être... Ah ouais, ça va être la... Ah ouais, ça va être en mode PLS de ouf. Bah, du coup, faut que je dégage... Et faut que je trouve des joueurs dans le bon... Oh. Attends, on va mettre comme je pense et après on verra. Là c'est Angleterre, Allemagne. On va check un peu à la fin. Et après on va essayer de... Parce que bon, un pack à Electrum, c'est pas refusé non plus. Hein. Parce que là on a à l'heure. Si on met à l'heure là, ça ferait quoi? Là on sera à 80-60, ok. Donc là, on a... Il faut un collectif de... Par contre, c'est deux clubs par. Par contre, c'est deux. Là, il parle de championnat max 2, d'accord. Et là, en fin de compte, faut que tu aies deux joueurs max 2 championnat. Non, en fin de compte, tu as le droit qu'à 2, pas 3. 2 joueurs. Parce que là, j'ai mis 3 joueurs de. Ouais, c'est ça, 3 joueurs de. D'Angleterre, donc j'en tire un. Donc là, regardez. Non. Si je tire... Attends, c'est quoi si je tire, ça fait quoi? Ouais.
3. Pourquoi là ce serait bon? Donc lui il faut que je dégage. Ah, attends. Ah oui merde, il y a encore celui-là aussi. Donc lui il faut qu'on le dégage. Voilà, et là c'est bon. Donc faut que je trouve un LD. LD. DLD. Faut que je trouve un LDLD. Attends. Si je fais ça. Mais par contre que lui. Allez. Lui je dégage. Là c'est bon. Donc là faut que je trouve les deux là. En MC, faut que je trouve autre chose. Donc Italie, je pense que c'est bon. Donc Allemagne, Italie, faut que je fasse. Putain, c'est ouf. Donc là faut que ce soit Italie. Donc là faut que ce soit Italie. Donc à la limite, bonne aventure ici. Et Allemagne. Donc Allemagne, bon, on met celui-là parce qu'on a les 86. Et là maintenant faut qu'on fasse du 80. C'est impossible. Quoique. Donc là on a un Allemand. On a un DC. À la limite, si le DC. Attends, si on fait ça. Là ils sont pas bons. Ils sont mal positionnés. Par contre les deux là sont bons. Par contre lui il faut que ce soit un autre. Si c'est un. Ah ouais c'est chaud. Par contre faut que ça soit. Putain, faut que ce soit cohérent. Ah puis j'ai pas le choix. Bah déjà. Le bon truc c'est l'Allemagne avec le 75. En plus on est bon en note générale, on est bien. En note générale on a 80. Ok. Mais là on a 57. Le plus loin qu'on peut aller nous c'est 63. Ouais, y a moyen. Attends, y a moyen de le faire, c'est obligé. Donc là ça bouge pas. On a moins 9. Plus 6, 63. Bah, moins c'est mort. Tu te rends compte si j'ai un. Alors là, il faudrait en fin de compte un Shakhtar Donetsk pas trop cher. Je le mets. Allez, là, on est bien. En gros, c'est ça qu'il faudrait faire. Ça, ce qui met dedans, c'est ça, on va compte. Là, je mets un joueur, on va compte que. Attends, parce que ça fait deux. Attends. Un joueur en moins, bah, si ça fait 11, donc 10, donc double. Donc deux doubles. Par contre, faut que je trouve un binôme de la même équipe dans chaque poste, on va compte. Qui soit relié, on va compte, parfait, quoi. À la limite, le DLG et le DLD, je les laisse. Mais faut que je mette un anglais en MC. Donc c'est à dire que l'anglais qui est là-haut, je le dégage. Donc celui-là, je le dégage. Donc là, on va faire anglais ici, qui relie ici ou là. Et justement, vu que c'est un triangle, faut que ça fasse... paf. Alors en plus, faut que ce soit de la même équipe. Ouah, c'est chaud. Putain, à la limite, toi tu dégages. Chaque tardonesque. Lui, on va le laisser là. Bah non, même pas. Parce que si lui. Parce que il pourra avoir là. Ça changerait rien de toute façon. Parce que là, par contre, faut que ça soit total pour là dans le triangle. Si le triangle ils sont tous bien dans la même pas dans le même championnat mais dans le là c'est le triangle par contre vu que c'est un losange vu que c'est un système à 4-2-1-2 et ben le c'est chaud hein, en une heure en plus faut que je trouve le truc en une heure faut que je trouve la solution en une heure avec les joueurs que j'ai comme donc là comme j'ai dit donc on va mettre un anglais ici par exemple ouais je sais pas qui par contre. Pas à coup. Donc là c'est bon. Et faut que je mette un italien là-haut. Mais c'est pas bon.
C'est-à-dire qu'en gros, ce qui serait bien. Par contre, lui il est avec lui, lui il est avec lui là-haut. La Shakhtar Donetsk, c'est avec un BU là, et c'est bon. Lui. Non, ça fait moins 9. Moins 6. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme équipe? Italie. Faut que je trouve Italie. Italie. Donc, désolé hein, pour le ventilateur, j'ai pas le choix. Désolé. Attendez. J'ai qui? Italie. Italie. Bah, Italie, je voulais mettre Martinez. Là, on sera à plus 3 à 66. Donc on s'en fout à la limite. La limite, ouais, c'est dans l'axe là, dans le losange. Il faut que le losange soit bon, quoi, en rond. Donc en fin de compte, faut faire 2, 2, 2, 2, 2. Oh la vache! Ouais, je viens de trouver une solution. On efface tout. Non. On va faire un par un. Ça, on dégage. Ça, on dégage. Par contre, faut faire défense centrale avec gardien. Derrière, on fait tac tac. Les deux là, on peut les laisser. Et les deux là, faut que ça soit dans la même équipe. Donc là, on peut faire Allemagne à la limite. Voilà. De toute façon, Chartadonnet, qu'on le laisse. On le laisse. Je sais pas si je peux trouver un Chartadonnet. Regardez les prix de Chartadonnet. Attendez. Mais c'est chaud, hein. Vraiment là, le truc il est très chaud. Hein. Il reste 1h02, ouais, c'est bon. Alors, c'est de suite. Hein. Transfert, on va mettre. Non, hop. On va mettre Shakhtar Donetsk. Ah merde! C'était MOC, hein, je crois. Hein. MOC, MOC, MOC. Eh ben, je crois pas que ça existe, hein. MDC. Au sud, on a voir. 82. Il coûte 8000. Ah, non. Attends, on va mettre en MOC le mec là. Attends, hop. Alors, du coup, on a un MOC 82 brésilien, donc 4000. Putain, c'est cher, bâtard. De ce temps, je veux bien, mais pas, par contre, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ah ouais, c'est. Ah oui, ça fait peur quand même. Ah ouais, par contre, t'es obligé d'avoir le joueur qui coûte la peau du cul, quoi. D'accord, donc ouais, donc le joueur coûte cher. Le joueur est inconnu mais il coûte cher. Je connais pas, hein, je vous dis ça. Ah ouais, donc coûte que coûte, on l'a dans le cul quoi. Mais attends, parce que attends, je suis trop con. Parce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut un joueur. Je suis pas obligé d'avoir un joueur comme ça. Je peux avoir un joueur de merde 80 point barre. C'est-à-dire que j'achète 80. Mais de la. Comme par exemple le gardien. Ah ouais, mais c'est 10 000, je pourrais être 10 000 de vous deux. Je sais pas, y a pas une carte qui soit potable là, dans le jeu là. 800, tu vois, le gardien, je me prends 877 et puis c'est bon, on en parle plus. Hein. En vrai, hein, c'est. Ce serait pas plus mal. Hein. On va avoir moins cher le gardien là. 82, 4000. BU. Bon, à la limite, faut le gardien. Hein. Ce serait pas chier comme ça. Marlou.
capitaine Marlou. Bonjour. Ça, on va prendre le gardien, allez hop, tac. On va prendre le gardien, allez hop, hop, on va laisser poser. Désolé, cette liste a expiré. Hein. Quoi? Oh, le bâtard. Bon, ouais, 10 000, je vais pas payer 10 000, t'es fou, toi. Malheureux. Putain, le mec est 91. Putain, what? D'accord. Pourquoi pas, si tu veux. Bah, 10 000, je vais pas payer 10 000, t'es ouf, toi. Ah, 800, merde, attends. Allez, hop. Tac. On perd 800, on s'en fout. L'important c'est qui dégage. SBC. Arrête! Commence pas. Ah, on a un nouveau, non? Ah non. Je croyais. Ah bah tiens, il reste 18 minutes pour celui-là. Alors, du coup, on continue. Alors, maintenant qu'on a un gardien, alors on a un gardien, on va le prendre et puis c'est tout. Voilà. Il est à 77, mais on s'en fout. Hop là. Au moins c'est Shakhtar Donetsk, ça dégage. Comme ça on peut faire Espagne. Après on cherche les bons joueurs et puis voilà. On se démerde comme il faut et puis voilà quoi. En plus il faut l'augmenter le truc, donc du coup c'est pas mal hein. Donc là on fait deux de chaque côté, donc on a un DLG et un DLD, donc c'est très bien. On fait comme ça, on fait gauche c'est bon, droite c'est bon, et après on fait tout pour que ça s'arrange avec le milieu et le truc comme ça, on peut être à 80. Pouah, la vache, ça va être chiant. Alors du coup, allez, maintenant faut se creuser la tête. Maintenant comme ça c'est plus clair, comme ça on a tout le reste à faire, allez. Donc on met 79, hein, on met l'Angleterre. Soit qu'on fait Angleterre ou on fait Espagne, donc ou Allemagne aussi, on peut faire Allemagne. Bah le mieux c'est de faire Angleterre à gauche. Mais le problème c'est qu'à gauche aussi j'ai ça moi. Autrement je fais Allemagne. Ah, Allemagne. Je fais Allemagne, allez, on s'en fout. Mec. On fait Allemagne là aussi. Allemagne. Allemagne en DC c'est chaud je crois. Ah bah non, c'est bon. Zavado. Angleterre en DC on a Vendicke. En 80 je crois pas que j'ai en anglais je crois. C'est chaud en Angleterre. Ah si j'ai Sakho. Par contre ouais je crois que je vais être dans le KK niveau Là on peut faire Italie et après à la fin on fait Espagne. Non, on peut augmenter, on va faire Ouais mais là ça fait double DC donc du coup on serait pas dans le truc, donc Portugal. Mais je crois que j'ai FC Port... Bah si parce que j'ai 80 DC là. Bon je m'en fous d'Italie, elle est fuck off. Hein. On va mettre ça, là on va faire C'est quoi Putain il y a quoi déjà que j'ai comme joueur? C'est quoi So 1? C'est quoi ça? Il y a la MLS aussi, j'ai Gaëtan, mais Gaëtan maintenant il a le range, je crois, une connerie comme ça. Après j'ai la MLS, mais je vais pas mettre lui, je vais pas mettre lui moi. Ah 87, ouais. On va le mettre hein. Ah attends, Espagne, je voudrais le mettre là, comme ça je serais bien. On a 68. Comme ça c'est plus cohérent. Comme ça j'ai deux fois j'ai deux Allemands, deux Angleterre, un Shakhtar Donetsk, un deux d'Italie. Et après, je fais Espagne et merde, j'avais quoi d'autre que j'avais mis moi? Portugal. Faut que je mette Portugal. 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 C'est quoi ça? Turquie? J'ai Turquie ou pas moi en MC? Je crois pas. Hein. Ah si, je crois Nzonzi. Nzonzi, je crois. Je crois que j'ai Nzonzi. 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 Ah, je crois que je ne l'ai plus. Et du coup, c'est la merde. Bon, autrement, je peux prendre France, hein, ça peut être aussi. Hein. Chili, Allemagne, Italie, Turquie.
un 76. Et ça pue parce que on n'est pas à 80. Du coup, ça va être la merde. Et du coup, les derniers, on veut Espagne. Alors, on va prendre lui. Et on va prendre. Oui. Et du coup, on est à 80, mais on a 61. Donc, du coup, on l'a dans le cululu. Fuck. Du coup, on fait comment? On fait comment? Tout le monde est à leur poste, mais pas bon. Donc du coup, je sais pas. Attends, il y a un joueur de pas bon. Attends, oh là, attends. C'est pas l'Angleterre. Ah, il y a un truc qui va falloir. Alors, attends. Galatasaray, Turquie. Ah, il y a un truc qui colle pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que c'est que ça, quand même? Il y a un truc qui colle pas là. Collectif 80. Ah, c'est bon. Joueur d'un club 2, minimum 2. Ah, c'est bon. Italie. Espagne. Attends, j'ai pas fait deux fois espagnol quand même. Ah, peut-être pas dans le même pays. Joueur d'un club. Minimum 2. Je suis à 1. Bah. Puis j'ai mis 1. Allemagne 2. Italie 2. Angleterre 2. Turquie 2. Espagne 2. Bah, qu'est-ce qu'il veut de plus? Hein? Bah non, je suis pas bon. Il me chie dessus, lui. Il m'emmerde. C'est lequel qui va pas? Il met un. Bah, moi j'y peux rien que ça soit Ukraine, Shakhtar Donetsk. Il est con, lui. Bah, il dit Shakhtar Donetsk, hein. C'est bien Angleterre les deux là. Bah oui. Qu'est-ce qui va pas là? Si tu m'emmerdes là. C'est ça que tu me dis toi? Bah non. Tu m'en fumes la moquette ou quoi? Il a fumé la moquette le jeu là, non? Je sais pas. Bah c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Y'a pas un problème quelque part là? Il me dit 1. Minimum 2 sur 1, j'en suis à 1. Bah c'est bon, c'est normal, Michel Tardonès, il n'y a pas de joueur dans une équipe. Hein. Il est un peu con, lui. Attends, moi, faut que je mette le mec de chaque Tardonès dans l'équipe, dans la réserve. Mais il est un peu con. Lui. Ouais, je comprends pas son délire. Parce que si je tire là... Ah, là, 57, hein. Pas ouf, hein. Comment je fais, je prends le mec que j'ai là de chaque Tardanès que je le mets. U80 je crois. Bah Nzonzi, 80. Chaque Tardanès. Vu que je vais mettre là, on a 67 hein. Là c'est bon. Mais on n'est pas à 80. Là il est content. Putain de bâtard. Ah bah attends. Attends. Tout à l'heure j'ai vu Nzonzi. J'avais Nzonzi. Attends. Nzonzi peut être je le transforme en MD en MC, c'est bon, ça passe hein. Ta. On va mettre en MC Nzonzi là. You. Nzonzi. Attends, c'est quoi ça? Chez lui. On en plus. Nzonzi là-haut. Et pourquoi tout à l'heure je l'ai vu en Galatasaray là? C'est quoi ce bordel?
Bah. Ah là, j'ai eu peur. Oh! 80. Faut mettre un Allemand. Faut mettre un plus gros joueur. Ah, fuck! Ah putain, il nous manque si peu. Oh la vache! Eh, c'est abusé, putain de jeu de merde là. Attends, faut que je trouve un. Alors, faut que je trouve un 80 DC maintenant. Et lui, faut que je le vende. Oh la blague! Casse les couilles. Il me casse les couilles le jeu. Parce qu'on va compte, faut que je trouve un 80 là. On a 78, même encore, faut que je trouve un 80. Ouais, 80. Oh, on va racheter. Hein. Parce que là, on a l'Electrum. Attends, s'il me donne un putain de joueur, laisse tomber. Hein. Ce serait trop bien. Bon, on recommence. Là, on va mettre DC. Voilà. Allez, donne-moi un 81 ou 82, je sais pas. Ou... Oh, c'est la merde, 75, gros. Putain, ils sont nuls en Shakhtar Donetsk ou quoi, là? C'est quoi ces joueurs, là, 900, là? Putain, ils sont pas bons. Mais what? Ouais. Ok? Ok? Bah attends du coup. Du coup. Bah y'a pas le choix. Bah écoute, on va t'acheter, hein. Écoute, bon, on va voir si ça le fait. Si ça le fait pas, bah je te démonte, hein, mon gars, je vais te revendre, hein, tant pis. Ouette. 75, c'est mort. Ouette. On fait go match, au final on fait des trucs. Dans 6 minutes, putain, c'est abusé. Qu'est-ce que tu fais, Bouli? Oh, je suis en train de dépenser mon fric pour retrouver la bonne solution. Putain. On est à 75, il va falloir que je mette un putain de joueur, quoi, c'est abusé. Ah, puis j'ai pas d'autre équipe, hein. Ah, mais attends, c'était quoi, Shakhtar Donetsk ou quoi d'autre? Wolfsburg. Ville Wolfsburg. C'est quoi, Wolfsburg? C'est Ukraine, ça, non? Je sais pas. Championnat ukrainien, peut-être? Attends. Ukraine. Oh, Nakamok. Dynamo Kiev. Ça fonctionne si je mets Dynamo Kiev? Oh, ça fonctionne pas. Ouais, mais même si je le mets, au final, je suis dans le cul. Ah, 74 du coup. On est à 74. C'est-à-dire qu'il faut que je rachète un joueur en DC. Oh putain. Je veux mon joueur. Je m'en fous, je vais avoir mon joueur. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Casser les couilles. C'est-à-dire que là, il va falloir mettre un putain de défenseur ou un anglais assez bon du coup. C'est ça que t'es en train de nous dire le jeu? T'es en train de nous troll, ça? 71. Non! Fais chier! Putain! Bah 68 quand même, hein! Pas bon. Ah, faut que je mette un anglais ici, hein. Ah, là c'est bon. Sauf que bah là, faut qu'on tire un joueur, du coup, faut en mettre 3. Joueur Shakhtar Donetsk. Ouh, Vots. Ouais, mais ça va pas le faire parce que minimum 2. Donc on peut pas en mettre 3.
Donc si je mets le mec, donc là, si je mets l'autre abruti là, si je mets par exemple celui-là là. Non, c'est pas ça. Si je mets notre ami de Shakhtar Donetsk qui est en MDC là, on va l'avoir quand même dans le cul. You 80. Moi je tire Götze mais j'ai besoin de lui quoi. Lui. Du coup si je le mets là, 74. Mais ça pas bon parce qu'il est joueur d'un même championnat. Voilà. Donc coûte que coûte, on l'a dans le troufion. On pourra pas. On peut pas. Ah, par contre, là, on a plus 3. Donc là, si je mets un italien, peut-être. Allez. Ah, c'est pas bon. Putain, et c'est ouf, hein. Bah, c'est bon pour le note général, mais pour le collectif, c'est pas bon. Parce que, ben, il en faut 3 pour être bien. 2, tu peux pas être bon en 2. Autrement, bah là je mets si je tire ça, je vais mettre Benzema pour voir si c'est bon. Mais ça me fait chier de le perdre. Bah c'est pas bon non plus, vous avez. Ah, peut-être de la même nationalité dans un autre championnat, peut-être, je sais pas. Y a pas un italien qui est à Naples là, un anglais. En fin de compte, faudrait avoir un anglais qui est en Italie. En gros. Je pense pour avoir un bon truc. Parce que vu que c'est le même pays, je sais pas. Putain, on est si près du but quoi, je suis si près du but. Ça me casse les couilles. Voilà, il va me dire que non. Et là, de toute façon, on a 80, donc c'est mort. Eh, c'est chaud leur truc là. Ouais, chou patata. Merde, c'est quoi déjà, c'est un espagnol, je crois. Lorraine. Compliqué comme leur truc hein. Parce que si c'est un. Là, si c'est un espagnol qui est en Italie, ça serait bon, je pense. Selon moi. Donc là, en gros, ça serait joueur Italie. Donc là, il faudrait chercher Serie A. Voilà, Serie A, hop. Et là, il faut trouver un anglais. Si je mets 82 MC. On est à 80, mais... Alors, soit que ce soit un Marocain ou un Espagnol. Ou un Anglais. Donc là, en gros, faut... Eriksen, c'est un Danois. Il n'y a pas d'Anglais en Serie A, je crois. Oh putain, et si c'est ça, c'est la merde. Donc en gros, faut trouver un Anglais en Serie A. Non, oh, ça me saoule! Ça me casse les couilles. Là, je suis à moins 3. Là, en gros, faut trouver un anglais. Anglais de Serie A. Voilà. Et on a 70. Hein. On est à 2 et 10. Hein. Un anglais qui est en Serie A, c'est qui sera un anglais en Serie A? What the fuck, ça me saoule. Comment se casser le cul et acheter des joueurs pour rien? On va mettre. Alors on va faire. On va tirer ça, on va mettre Serie A. Hop. Il faut un MC, je crois. MC anglais. Attends. Argentin, anglais, qui soit en Serie A et soit un MC. Oh pff. Mais what? Y a qu'un anglais en Serie A, c'est impossible.
Et comment ça se fait qu'il y ait que des mecs comme ça? Attends, attends, attends. Ah non! Je crois que c'est fini! Time. C'est moi, j'ai pas envie de perdre mes grosses cartes, hein, fuck off, hein. Par contre, faut trouver. Ou autrement, c'est un Marocain qui soit en Serie A, à la limite. Pour justement avoir le bon truc. Je suis pas sûr, un Marocain en Serie A, c'est chaud, hein. Ou un Ukrainien, je sais pas, bon, ça me semble bizarre. Ou un. C'est un Hollandais qu'il est le mec, hein, c'est les Pays-Bas, un Hollandais. Un Hollandais en Italie. Ah! De Ligt! Ouais, mais De Ligt, c'est pas un milieu central! Ah putain, ça va être chiant, bordel, toi. Je vais repayer encore des thunes encore, hein, de ouf, là, putain. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon, 78, ça passerait, je pense. Ah, et 1000, hein, putain. Allez, 1000, boum. Tant pis, hein, c'est pas le choix, faut le faire, hein. Allez go, on est reparti. Si ça fonctionne pas, putain, je me tire une balle, hein. J'arrête, hein, c'est bon, ça me saoule. Je suis en train de dépenser du fric là pour leur gueule, hein. C'est abusé. Allez. Celui-là, il y a celui-là là, et c'est un Pays-Bas aussi. C'est pareil, lui, il vient du Pays-Bas aussi. Mais attends, je sais même pas ce qu'il aura fait. 77, c'est même, ça aurait été même pas bon. Putain, ça a abusé, ça a même poté bon. Puis je gâche Doom. Putain, 76 ans. Hein. Non, je suis à 76. Il va falloir que je rachète un joueur. Putain. Non, on est marre. Faut que j'achète un français qui est en Turquie. Bah c'est Rami. Rami il est en Turquie. Attends. Ah mais Rami c'est pas un milieu. J'en ai marre. J'en ai marre! Ah ouais, c'est pas bon maintenant! Ah oui, c'est plus bon! Oh fuck! Aïe 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 aïe! Putain! Je vais pas y arriver, j'en ai marre! Putain! Ça me casse les couilles, hein! Ah, et puis faut trouver un MOC, hein! Oh! Un MOC français, putain, c'est chaud! Français, j'ai pas de français MOC en plus. MOC français, et qui joue en Italie. Bah, y'a ma tweeting? Je sais plus. Attends, on va checker ça. Non! Faut un Turquie! Du coup. Faut trouver un français qui joue en Turquie. Ah hein. Oh ouais, chaud patate, hein. On est marre. Il est chiant ce truc, sérieux! Non, Portugal, Belgique, Russie, Ukraine, Arabie, South. C'est quoi South? C'est les autres pays, non? Je sais pas. MB. MLS, Pologne, Suisse, Argentine. Turquie. Oh, c'est la merde! Quand je vois ça, je me dis, mais non, mais c'est une blague. Le jeu est en train de me troll de ouf au final. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun français qui est là-bas.
Il n'y en a aucun. Abusé. Là, je vais perdre du temps pour ça, par contre. Beyrouth, Emmanuel Macron annonce une conférence internationale dans les prochains jours pour aider le Liban. Mais le Liban, déjà, ça sert à rien, parce qu'il est déjà foutu, le Liban. Il est à fond de terre, ils vont pas mettre 5 milliards dans la table. Il y a déjà le coronavirus qui a fait du mal, alors si derrière, ils trouvent des sous... Et Trump, il s'en fout, justement. Ça sert à rien. Bon, je crois que c'est foutu pour le ce clan. Dommage, hein, j'ai un pack Electrum gratos. Bon, ça va, c'est pas grave. Hein. 23h, tiens. Attendez, on va quitter. On va faire oui. À mon avis, il doit y avoir une mise à jour. S'il y a des trucs à voir. Dessus. Là, c'est bien. Truc que ça charge. Et ça, je m'en ai, il est quand même à 97, hein. 99, hein. Bon, putain, la carte à Mbappé, elle est trop cheatée quand même. 99 vitesse, bah, c'est comme James, hein. Pareil, hein. Par contre, je boue du fric pour leur gueule, mais j'espère que ça va être rentable, le pack de machin, là. Je le dis, hein. Donc, désolé pour vos oreilles, pour le... Attendez, si j'éteins ça, ça va faire quoi? Ça va faire la grosse chaleur dans la baraque, à mon avis. Bon, on va continuer quand même parce que chier, hein, ça... il va falloir le trouver le bon truc. Hein. Je suis si près du but là, putain. Je sais pas, un décès allemand là serait pas mal. Mais je suis con. Attendez. C'est bon, je crois savoir comment trouver. On met Belanda. Un décès allemand, ça doit exister quand même dans mon équipe. Tant pis, j'achète et puis voilà, on verra bien. Un DC allemand. J'achète un DC allemand, ça passe tout seul. Je suis trop con. Les DC allemands, c'est ça qui coûte le plus cher. Bon, ça sera peut-être plus cher, mais c'est pas grave. Allemand. Je suis trop con, putain, j'aurais dû voir ça avant. Hop. Voilà. Et là, il y a Boateng, etc. Attends, 80. 8000, putain, c'est cher. 4000. Bon, je m'en fous. Si c'est pour être rentable derrière, 4000. Il y a ta là. Putain, pour dire que j'en avais un bon en plus. Ah, y a Boateng, hein. On a 79, on a celui-là. On a un DC, on a celui-là. Ouais, tant pis, hein, de toute façon. J'ai pas le choix. Bienvenue dans l'équipe, hop. J'espère que ça fonctionne, mon truc, sérieux. Oh, ça fonctionne pas, j'ai les boules. Non, oh, merde, fais chier. Si je fais tout ça pour rien, putain, je serais vénère de ouf, putain. Après, c'est pas grave, hein, au moins ça m'occupe, et puis voilà. Alors. Allez, on croise les doigts, on croise les poils de cul, et après... Bon. 79, je crois. Il est où ? Il est. Allez. 79, putain. Bah ouais, mais c'est un DLC 75 en même temps, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais c'est bon, en plus ça passe, hein, ça le pire. On peut pas grappiller 2 points là? Non, même pas. Putain. Si on met un anglais qui joue en Shakhtar Donetsk, mais ça existe pas, donc faut arrêter. Autrement, faut mettre un anglais qui joue. Bah, si je tire lui, ça ne fonctionne pas. Et je mets un anglais qui joue en Angleterre. Voilà. Bah, il y a Rooney, mais si je mettais un autre anglais qui joue en Angleterre, attends.
Un anglais, 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 anglais. Faut pas me dire que j'ai pas d'anglais qui joue en Angleterre quand même. 76. Ouais, mais on est toujours à 80. Donc si j'achète un anglais qui joue qui est à 80, ça pourrait le faire. Merde, j'avais mis qui déjà? Ah, mais non, c'est pas bon. Attends, on va faire le test, on va faire le test quand même, on sait jamais. Parce que pour l'instant, tout est bon. Bon, à part là, faudra un Français qui joue en Turquie. La Gomis, je crois que joue en Turquie. Mais MOC, ça me... Bah non, ça n'y en a pas du tout, justement. J'ai mis Italie, Espagne. Ah, Portugal, il n'y a pas de Français à Portugal. Autrement, je mets Français. Là, je mets Français. Là, faut que je tire ça. Des Français qui jouent en championnat de France. Donc là, faut que je mette championnat de France. Et du coup, j'ai plus de championnat de France. Donc là, on a Boudbouze, Saint-Étienne. Mais il faut que je mette juste des Français qui sont dans le championnat de France. On a. Alors attends, parce que j'ai. Pierre-André, c'est pas. On a Savanier. Et après, faut trouver un MOC. Tant pis, j'ai acheté des joueurs, tant pis, hein. Donc là, faut que je trouve. Donc là. Là, en fin de compte, le mieux. Par contre, faut que je trouve. Donc là, je peux le remettre le mec. Je peux remettre le mec. Qui joue à Shakhtar Donetsk, là. À la limite. Putain, you ce con. Putain, je suis même poulet. C'est compliqué quand même le jeu, hein. C'est lui, je crois. Là, je le remets. Tant pis, hein, je le remets. Là, on a 75. Comme ça, là, boum, je mets un joueur en MOC. Je mets un MOC. Je mets un MOC. Tant pis, je rachète un joueur, j'ai pas le choix. Putain, j'en bouffe du fric, hein. Putain de sa mère la pute. Eh, j'ai pas de joueur MOC. Donc là, on tire ça, on met ça et on met français. Par contre, faut mettre double nationalité et puis c'est bon. Donc là, on met Ligue 1 et on met MOC. Voilà. Et maintenant, faut prier pour pas avoir des. Oh putain, et. 213 000, abusé. Samson 22. Putain, je peux voir Samson? Ah, nice, hein. Bah, il connaît, ouais, putain, il est pas cher. Putain. Oh, budgétaire aussi, je peux avoir. Oh là là, bah, parfait ça. Bon, 1 million, quoi. Attends, on va avoir 1 million. Quoi. On en parle qu'il est pas cher. Il connaît là, cette carte-là? 87, 42 000, on en parle? Enfin bref, bah je vais pas prendre paillettes, faut pas arrêter non plus. Cela, je suis à combien dans les stats du truc? Attends, de faire le con. Là, je suis à combien là? Mais non, putain, je suis de la merde là, c'est pas ça que je voulais. Ah, c'est ça. Et là, c'est combien de temps? 24 minutes. Putain, en 24 minutes, faut absolument que je le trouve. Enfin, c'est combien de niveaux à avoir? 3. Donc, si je prends un 80, faut que ça soit 80, final. 81. Ouais, putain, faut que j'achète paillettes, sérieux.
Faut que j'achète Payet, c'est une blague. Putain, ça me saoule. 89, putain, en MOC, c'est ouf. Si je prends 78, ça va pas le faire, je crois. Bon, allez, go 2000, hein. Tant pis, dans le fond. Au moins, c'est fait. Hop, signer l'équipe. Tant pis, hein, pas le choix, m'en fous. De toute façon, je vais les récupérer les Puntos, donc je m'en fous. Par contre, ouais, Koné, c'est abusé quand même. Vache. T'as fini toi derrière là? Allez, on croise les doigts de Paul de cul là maintenant. Il y en a marre. Bah oh, putain, ni ta mère, putain, y'a quoi encore là? Qu'est-ce qui va pas là? Il manque quoi à 80? Eh, on a 80 partout, tu te fous de ma gueule, je vais pas racheter des joueurs pour toi, merde. Mais y'en a bien quand même qui passera, bordel de merde. Putain, tu me casses les couilles, toi, sérieux? Attends, faut que je trouve un anglais qui... Ah putain, et si c'est vraiment ça, faut que j'achète un anglais. Si c'est vraiment ça, j'ai les boules. C'est-à-dire que là, il va falloir que j'achète un anglais. Si je le tiens là. Faut que je trouve un anglais... Bah, qui est en Angleterre, du coup. Putain. Pfff. Il m'aurait tué ce putain de défi à la con. Hein. Après c'est pas cher mais fait chier quoi. Donc là on retire. Et c'est en DC je crois. Ok, on va tester, hein, de toute façon, je suis obligé de tester. Hein. 78. Allez, en plus, c'est à 78, il dit pas mal. Hein. 700. T'achètes Matt Goyer. Putain, Matt Goyer, il est cher! On va prendre lui, là, il est pas cher. Yep. Il est pas cher. On va tester. Putain, Kyle, hey. Kyle qui était méga bon, il se retrouve maintenant avec 77 de vitesse. Putain, c'est abusé. Hein. Oh, mon dieu. Putain, t'as des joueurs qui sont connus maintenant. Ils étaient connus avant et maintenant, bah, ils se prennent des prunes dans la tronche. Oh, abusé. Bah, le mieux, c'est d'avoir un DC Arsenal au final. Et qu'il soit anglais. 78, je crois qu'il était le mec. Oui. Eh, c'est pas bon, fils de pute, ça m'énerve. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Par contre, maintenant que j'ai un gardien, faut qu'il soit absolument en deux. Mais c'est tous des Ligue 1 et Italie qui m'emmerdent, lui. Putain, et en plus, c'est même pas bon, je suis à 75, hein, ça a abusé, putain. Ça me casse les couilles, là. Il est en train de me casser les couilles, le jeu, là. Je vais te mettre le mec de choc tardonnais, comme ça, t'arrêtes de m'emmerder, là. Merde, hein. Casser les couilles. Là. Ah, je vois pas d'Ukrainien qui joue en championnat, Merde, j'ai planté le jeu. Putain, c'est pas possible, merde. Fout de ma gueule le jeu, bordel. Ah putain! Un DC marocain. Gadazaray. Mais c'est pas bon parce que du coup faut que c'est un BU. Oh, chier.
fucking bitch. Putain, je m'énerve. Je sais même plus quoi faire, je suis dépité. Derrière, bah, il y avait Temori. Mais non, gros, c'est pas la même chose. Faut que je trouve un angle. Alors attends, comment faut que je trouve un anglais qui joue en. C'est de la merde, hein. Merde, il est où le truc déjà? 75, je crois. 76. Ah, il m'a saoulé. Il m'a saoulé le putain de machin là. Allez là. En plus, il est à 75. Putain, je vais acheter Tyson pour sa gueule, hein. C'est bon. Sous ma gueule, lui. Et là, c'est bon, mais c'est pas bon. Il nous manque deux. Il nous manque deux. Voilà. Il nous en manque un fucking deux, quoi. Tout est bon à part ça. En plus, c'est deux Ukrainiens, machin. Alors, du coup, faut que j'ai allemand 80. Ou, faut que je trouve 78 qui est là, faut que ça fasse deux. Donc, 80 en Italie, aux Pays-Bas. C'est chaud quand même, hein. Compliqué. Un DC allemand. Ah, il a coûté cher le joueur, hein, putain. Il manque que deux. Il manque que deux. Autrement, un DLG. Faut que je trouve un DLG qui soit plus fort que le 75, du coup. Comme ça, le collectif sera plus haut. En DLG allemand. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Un Allemand qui joue en Allemagne. Tout à fait normal le jeu. Et là, il y en a pas. Ah, mais surtout 75. Bah, Schulz, on va pas. Mais je peux acheter Schulz. Bon, oh, tant pis, fuck off, hein. Non, pas 4000, non. Allez, 4000, il coûte Schulz. Putain, le bâtard. Là, y a pas beaucoup d'allemands, au final. Ah, mais il est bon, en plus, ce con. Il est méga bon. Il est pas si mauvais que ça, au final. Ah ouais, bâtard. Par contre, c'est le meilleur des. Bah, y'a pas Hummel, c'est pas un. Ah ouais, mais non. Putain, le fric que je perds. Ah, le moins cher, c'est lui, hein, tant pis. Hein. Eh, j'espère que lui va me mettre le bon truc, hein, putain. Putain, j'espère qu'il va me mettre dans le bon truc, hein, je vous le dis, hein. Putain, et là, j'espère que c'est bon, hein, il en a marre, hein, c'est bon, là. Foutage de gueule, hein. Ah putain, eh, mets-moi 82, hein, je te jure. Tu me le mets pas? Bah, après, c'est pas grave, hein, ça me fera une équipe allemande. Mais putain. Par contre, y'a pas beaucoup de DLC en DLG en. Oh la blague! Et pourquoi ça me descend de 1? Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Pourquoi ça me descend de 1? Ça m'a descendu de 1. Pourquoi? What the fuck? Je crois que je peux pas le faire. Après, c'est pas grave, c'est pas des joueurs non plus dégueulasses que j'ai acheté. Il m'en manquait 2.
Je refais le truc. Et là, il m'en manque 3. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? On recommence. Parce qu'on est d'accord, je mets 75, là je suis à 78. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bah, Allemagne 1. Dortmund, ils sont en div 1. Je fais ça. Je mets ça. 77. What? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Je comprends pas là. Attends, on est d'accord. Attends. Là, on a quand même des putains de joueurs dans l'équipe là. Et ils me trouvent le moyen de me dire 78. Dans ce cas là, autant mettre un MC allemand, ça revient au même. Hein. Et tu mets un DC français, ça revient au même. Mais tu peux pas. Parce que si tu mets ça là, ça changera strictement rien. À moins que là. Ouais, mais là, tu mets un français qui est en Espagne. Bah, je peux acheter des Mbélé déjà. Ah putain, c'est peut-être ça qu'ils veulent en fin de compte qu'on fasse. Oh, putain, si c'est ça, c'est des fils de putain. Que début français Ah putain, attends. J'ai envie de voir un truc. Attendez. Si je mets Benzema. Oh, oh les bâtards. Oh les bâtards, c'est ça qu'ils veulent. Du coup, si je fais ça là, ah les salauds! Donc là, faut que je trouve un français qui joue en Espagne. Bah, il y a Fekir. Faut que j'achète Fekir pour avoir le truc. Oh les enculés. Bon, déjà, toi, je vais te garder parce que tu m'as. T'es bon déjà. Je sais pas, t'inquiète pas pour ça. Hein. Ah ouais, faut que je trouve un français qui est en Espagne. Oh la vache, faut faire un français qui est en Espagne. Et qui est BU. Déjà, est-ce que j'ai un français qui est en BU déjà? Je suis pas sûr. Hein. Ah putain, si j'ai un français qui est BU. En gros, ouais, c'est ça, faut que je trouve un français qui est BU. Qui joue en Espagne. Joueur BU français. On va pas se faire chier. Oh la vache. Dans tout club. Dis-moi que j'en ai un. Ah, j'en ai pas. Ah, en tout cas, j'ai des. Ah, j'ai allemand. C'est quoi ça? Angleterre 2. Putain, hé! Ah la vache! Attends. Ouais, mais il faut que ça corresponde au truc. Oh la vache, j'ai les boules, attends. J'ai les boules. Parce que là, faut que ça soit Espagne, en gros. Bah tant pis, on va faire comme ça, on va se dépêcher. Je sais pas combien de temps il reste. Oh, j'ai 9 minutes! Bah, attends, mais pour un pack joueur électrum rare! Donc autant. Mais j'espère que je suis en train de me casser le cul, pas pour rien. Hein. Mais putain. Putain, ça serait fou. Ça, je me casse la tête, mais c'est. Ouh, c'est abusé, quoi. Ah bah, ils mettront Griezmann, hein. Et en plus, j'ai acheté Payet, hein. J'ai acheté Payet, hein. Oh, je sais pas acheter. Non. Gamero, 10 000.
Ah, il y a Gamero, hein. Pire, il y a Gamero, hein. Pas moins cher, Gamero, là? Ouais, hop. Tant pis, hein, je vais l'acheter, tant pis, hein, pas le choix. Si je le trouve moins cher, je vais le payer, tant pis, hein. Putain, et je perds des sous, mon gars. Et j'espère que la carte, elle sera belle, hein. Parce que là, je suis en train de me casser le cul de ouf, là. Bon, allez, hop, 2500, de toute façon, j'ai pas le choix. Un pack Electrum, quoi, les gars. Putain, je me casse le cul, quoi. Allez. Allez, dis-moi que c'est bon, on m'emmerde plus maintenant et c'est bon, allez. Donne-moi mon pack que je veux là. Il y a 7 minutes. Par contre, si c'est ça, putain, j'ai les boules. Donne-moi mon BU là, allez. 81. Allez, on croise les doigts. Eh oui, c'est bon. Pouah, voilà. Par contre, si on peut garder notre ami Payette là et qu'on met un français en MOC, il y a un moyen ou pas? Français. Putain, on a même pas de français dans l'équipe là, sérieux. Ça me saoule parce que j'aurais bien voulu le garder, hein. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Hop. Par contre, celle-là, il va falloir que je la garde. Hein. C'est un Allemand. Ah, ouais, mais non, je peux pas. C'est Pays-Bas. Donc, j'ai pas le choix. Ah, par contre, si je mets Italie, du coup, ça le fait ou pas? Attends, Italie. Ça le fait ou pas? Ah, ça le fait pas. Je suis obligé de mettre ma carte 84. Oh la vache, je perds mon gros joueur. Oh non. Après, il avait quoi comme carte, lui? Oh, tant pis, hein. Allez, adieu les joueurs, salut. Bah ouais, tant pis, hein. Marata, bah ouais, Marata, tant pis, hein. J'ai une équipe espagnole, bah tant pis. Hein. Putain, eh, il a intérêt de me donner une putain de carte, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Cela, je viens de perdre mes gros joueurs, hein. Et j'ai acheté des bons joueurs, hein, en tout cas. Comment se casser le cul? Appelez Bouli. Ah, oh, putain. Allez, j'espère que c'est pas de la merde, hein, que je vais avoir, hein, je vous le dis. Hein. Là, je suis... Hey, j'ai perdu beaucoup. Hein. Là, j'ai perdu beaucoup. Hein. Après, bon, j'ai trahir la mort et je vais avoir des sous. 12 cartes rares. Hein. Allez, donne-moi une putain de bonne carte, là, mon gars. Allez. Mais ça bug. C'est génial. Putain. Je sais pas pourquoi je sens que je me suis fait douiller. Ah voilà, comme ça. Bah totalement. Oh. Se casser le cul pour avoir ça. Bien joué le jeu. Ah putain de jeu de merde. Ah putain de jeu. On a Leno. On a Rela. Putain, on a une carte de merde. Et je crois qu'on peut pas les vendre un peu, je crois. On peut pas les vendre. Putain de merde. Mais après bon. On a Réola, c'est un français champion du monde, et en plus c'est ce qu'il fallait donc. J'ai acheté tout ça pour ça, sérieux. Eh ben. Ah, j'ai un joueur de partie, bah je vais être parti normal, hein. Du coup, il va falloir que je vende un joueur, bah des joueurs du coup. Oh merde, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là? Bah j'ai un MOC, tant pis on va le mettre lui, hein. Je
sais pas s'il peut coûter cher lui, j'ai aucune idée. Ah bah je peux même pas le vendre, comme ça c'est fait. Et lui on peut le vendre ou pas? Non plus. Non plus. Non plus. Bah on va essayer de revendre notre ami allemand là. Schultz, je sais pas quoi là. Transfert, mon club. C'est Schultz, je sais pas quoi là. Ah les boules, sérieux. Ah je suis dingue, ça me saoule. Putain, bande de connards. Putain, sale con. Oh batteur. Casse les couilles. Mais le jeu, comment il te troll de ouf. Tu vois pas qu'Electrum, t'es content. Tu vois pas qu'Electrum, t'es méga content. Et au final, bah tu te prends une pure dans la tronche. Et là, Toto il va se ramener, il fait alors, ça dit quoi? Ah, je me suis fait douiller par le jeu. Ah, mais plus là, tu recommences que je joue pas Fortnite. Hein. Ah, la loose. Ah, le jeu, une jailbait de ouf. Putain de saloperie. Putain, c'est ouf. Ah, il va falloir que je vende des joueurs. Je sais pas qui, mais il va falloir que je vende. Oh, j'aurais de le vendre lui. Bah, on va vendre de Schultz déjà, c'est sûr. Je sais pas si Martinet, je peux le vendre. Ah, je peux le vendre. Okay. Bah, les nous. Bah, non. Bien sûr, c'est pas drôle. Par contre il est plutôt ouais je peux faire une équipe et je peux même faire voyons ouais, à l'heure Pedro je vais pas notre chou je peux le vendre ouais mais j'ai besoin de lui toi je te revends placé dans la liste des transferts. Alors, qu'est-ce que je peux vendre d'autre? C'est bien d'avoir des joueurs qu'on peut pas vendre. Le jeu nous débite quand même. Hein. Voilà, voilà. Quaresma. Ah si, Quaresma, tiens. Passer en liste de transfert. Si on peut avoir des bonnes cartes derrière, si on peut le vendre plus cher, c'est pas grave. Hein. Je n'ai pas besoin de Quaresma. Lui, tiens. Donc elle te s'arrête, maintenant je suis pas je con. Je crois que lui non plus. Ça, si on peut récupérer un peu de sous, parce que là on a 15 000, je crois que j'ai dépensé. Chez moi, il y a une prise d'otage. What the fuck? Enfin, après, chez moi, non, c'est à l'autre bout, mais. What the fuck? Ouais.
Ouais, il y a une prise d'otage pas loin de chez moi, à Le Havre. Ok, écoute. Hein. Belgis, non. Bah, lui, je pense que non plus. Ah merde. Non, ça, lui, je sais pas. Bah, Piatek, je crois que non. Ah tiens, je peux celui-là, tiens, MG japonais, porto, clac. Ah, la bonne nouvelle. Ouais, mais j'en ai besoin pour faire mon équipe espagnole. Peut-être avoir des petits putos quand même, hein. Ah, faut que je regagne des sous parce que putain, j'ai marre d'en perdre. Il y a tellement de cartes, sérieux. Vas-y, mais on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit non plus. Au final, ouais. Alors attendez, parce que là maintenant, on va voir combien ça va nous rapporter tout ça. Alors, du coup, transfert. Ah ouais, mais 32 000, putain, j'aurais pu avoir. Alors. On a 9 joueurs en vente. On peut vendre 9 joueurs, ok. Alors combien il coûte déjà? Bon, lui, déjà, à mon avis, ça va être. Ouais, 600. Mais quand tu regardes dans la liste de comparer les prix tout à l'heure, il est parti loin quand même, hein. On va le mettre à. On fait partir à. Allez, à. 3200, tant pis, on va avoir une perte. Ouais, 5000 peut-être, ouais, 5000. Puis là, on laisse. Ouais, on va laisser ça comme ça. Tant pis, hein, je vais perdre des sous, mais c'est pas grave. Hein. Quoi reste ma 600? Et du coup, on. Comparant les prix, il est à combien? 1700. Bon, on va le mettre à 800 et 2000, je pense. Ouais, 2500, peuf. Ah, lui, par contre, à mon avis, je crois qu'il coûte cher, lui. Hein. Non, mais pas. Bon. Bon, on va mettre à 1900, allez. On a 1900, paf. 1000 de plus, tac. Je lui gratos. Lui, je suis pas sûr qu'il coûte cher, lui. Hein. Le mec il regarde pas le premier chiffre, il se plante, il perd tout. Putain. Pas cher lui, sérieux. Ah ouais. Pas cher un Benitez, hein. Alors toi tu coûtes cher. 450. Et ben ça sera 400. Eh ben, il y a des joueurs, hein. On va mettre 3000. J'aime bien mettre 2000, moi. Il y en a qui mettent 2000, donc moi, pourquoi moi je ne vendrais pas? Non. Oh, je pense qu'il doit pas être cher non plus. Hein. On verra bien. Bon, du coup, en Angleterre, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, écoutez, on est pas mal. Hein. Alors, donc là, c'est notre équipe, notre nouvelle équipe. Donc là, maintenant, il va falloir trouver un DC.
Donc quand on aura les moyens d'acheter les joueurs, bien sûr, j'aurais pu, hein, je suis trop con. On peut s'acheter Kanté. On peut mettre Kanté en MC. Pourquoi j'ai un DLG là? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un DLG là? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que toi là? Tu fous là? T'es con? Tu fous là toi? Faut un DG? C'est un DG qu'il faut? J'ai plus de DG anglais moi? Défenseur gauche. Ah! Ah! Ah, bah là, là, la première nouvelle, dis donc. Je n'ai pas de DG. Putain, j'ai pas de DG. Ah merde! Et l'autre, il a combien de sous? 71. Ah! Comment ça se fait que j'ai plus de DG moi? Faut que je trouve un remplaçant en DG. Non, peut-être pas Mendy. Hein. Ok, putain. C'était pas prévu ça. Ah, il y a Lee Dean, oui. Putain, j'avais pas vu ça. J'avais pas de DG. Fuck. J'ai pas de DG. Ah, j'ai un DG, mais pas remplacement. Du coup, c'est un peu con. C'est la merde. Ah ouais putain. Oh non pour lui. 46 000. Putain, je pensais que c'était bien, mais non, enfin con, putain. Bah voilà, pourquoi. Ah si on pourra. C'est-à-dire que j'ai vendu Robinson, je suis trop con moi. Ah oui, non, c'est normal, non, c'est bon, c'est bon. Je sais pourquoi. Non, avant j'avais Pereira et je l'ai vendu comme un con. Parce qu'il est descendu, mais vu qu'il est remonté dans les notes, bah voilà. Mais oui, non, c'est normal. On a 86 Robinson là. Mais on peut avoir une bonne carte, on peut avoir Pereira à la limite. Pereira là. L'autre jour j'ai vu que Pereira était à 40 000. 65 000 encore. Et à 58 000, regardez. Putain, 58 000. Oh, si je l'aurais, putain. Et 88, c'est trop bien en vrai. Il reste combien de temps pour l'autre là? 59 000. Et 58 500. Hein. Après là je serai tranquille du côté gauche. Hein, parce que 92 de vitesse et de physique il est bien. 81. Ça va en vrai. Comme ça il serait en remplacement de Masuaki. Et du coup serait bon. Masuaku pardon. Tant que je sais pas combien ça va me rapporter les sous de ceux-là là. Ce plan sans, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien, donc on n'a rien du tout, donc bah on verra, mais je crois que c'est mort. Hein. Je vais pas récupérer mes sous. Quoi. Putain, c'est relou. Bon, bah, tant pis. Hein.
Allez, on joue en champion, les amis. On joue en champion. Je crois que ça va être ma dernière parce qu'il va être 8h bientôt et là ça fait 3h54. Ouais, ça va faire 4h de live plus ce matin. C'est abusé. Ouais, en vrai ça va. Y'a quoi comme. Ah putain, il est en plan aussi, putain, ça va être chiant. J'ai envie de pisser en plus, allez, c'est abusé. Salut à toutes et tous, bienvenue. J'ai pissé, j'arrive. Dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. C'est Hervé Batou qui vous parle. J'aurai à mes côtés, comme toujours, Pierre Ménès. Au menu, un match des clashs d'équipe. Ça va se jouer dans une très très belle ambiance, hein, comme souvent dans cette compétition. Ah, voilà une compétition intéressante et surtout toujours pleine de surprises. Tu peux jamais savoir qui va jouer, et où, à quel poste, dans quel système. Il faut s'adapter en permanence. Moi, je les aime bien, ces clashs d'équipe. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. On se retrouve donc avec deux. C'est vrai, Philippe. Ah non, c'est pas un défenseur, mais c'est un milieu. Deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2 avec un milieu à plat. Un bon vieux 4-4-2. Ah, par contre, ouais, faut que je me dépêche parce que je sais pas. Ouais, en tout cas. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Donc, nous sommes en champion, bien sûr. Non mais qu'est-ce que toi l'arbitre là. Antonio Salah. Là il nous fait du gardien au prix d'un. Ah il y a ma chaîne qui est devant moi. Arrête toi, ouais, que tu fais là. C'est tout ce qui compte. C'est terrible. Extérieur du pied gauche, hop. Corner adressé au niveau du point. Le gardien qui n'a pas trop à s'employer, hein, sur cette action. Ah, il tape facilement cette tête. Bon, il va se dépêcher là. Ah, par contre, c'est long quand ça. Hey. On peut se regarder pour faire ça en plus, sérieux. Ayad Mahrez. Mohamed Salah. Ah, bâtard. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Johnson. Taro Martinez. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Kai Walker. Oh non, pas comme ça. J'aurais dû la prendre avant. Putain, quel con. Mais non. Bien récupéré. Bien joué. Voilà. Un peu d'espace par là. En même temps. Antonio. Oh. Ne le trouve pas sur cette frappe. En même temps, James, il va trop vite là. Il est à 99. Donc c'est vrai quoi, Antonio, je suis très très content, franchement. Sadio Mané. André Gomes. Mais qui fait? Antonio. Van Dijk. Kyle Walker. Antonio, Mohamed Salah. Oh. Mohamed Salah, c'était pour un partenaire, mais ça a été intercepté. Ah ouais, c'est Xal là-bas. Tu reviens, toi tu es là, voilà, et là, hop. Martinez. Il se passe directement dans les pieds de l'adversaire. Voilà, ouais. Dans l'espace. Allez, dans l'espace.
André Gomez. Bah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ouais, c'est un premier but amplement mérité pour cette. On est un champion, les amis. Nous jouons en champion. Une passe. Et Gomez qui marque. Un ballon à part. Ah, tu mets Ramez du côté droit, c'est bon. Hein. Il est très dur à aller chercher. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Riyad Mahrez. Oula, ouais, c'était prévu ça. Pour l'adversaire. Kyle Walker. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Mohamed Salah en bonne position. Oh là là. Et ouais. Le but. Passe, passe, but. Qui permet à cette équipe. Je suis un champion. Hein. Deux buts d'avance désormais. J'aurais dû me mettre en légende. Hein. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore. Oui, j'ai pris le truc dans les couilles. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Sachant que le jeu, il m'a dit non. Si je me mets en champion, je ne pourrais pas gagner. Bah, parce que là, avec les stats par rapport à mon équipe, et vu l'équipe d'en face. C'est-à-dire que le niveau est un peu plus haut. Là, ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et alors, plutôt content, l'entraîneur du match qui est en train de faire son équipe. Bon, c'est dommage qu'ils ont fait comme ça à Zidane. On dirait un extraterrestre, Zidane. C'est fou. Hein. Ah, bien, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0. Ah, Salah qui marque. Oui, les amis. Mohamed Salah. Il s'infiltre. Et hop. Antonio. Oh merde. Oh non, c'est pas possible. Non, continuer, merde. C'est pas possible de jouer aussi mal. Bon, ta gueule, toi. Jouer aussi mal, bah tu feras pas mieux. Hein. Ouais, mais en Hervé, si tu te mets à tailler, il me reste quoi, moi, là. Martinez. Ballon rendu à l'adversaire. Oh merde. La passe est coupée, bien défendue. Mohamed Salah. Tonio. Oh. Oh, le bâtard, il m'a chauffé dans les. Touche, il m'a chopé dans les pattes. Masuaku. André Gomez. Tonio. Ah merde. Et non. Bien placé pour intercepter cette passe. Oh, il est même bloqué, sans culé. Merci. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Non, hors jeu. Cherche une solution. Ah, il est parti. Tard, beaucoup trop tard. Il contrôle trop tard le ballon à chaque fois. C'est devient relou. Entre dans la zone dangereuse. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Il poursuit son action personnelle. Ouais, ouais, bah jouez ça. La patate. André Gomez. Il file jusqu'au gardien. Oh là là, ça a été beau celui-là. Il a lancé son équipe. Oh là, c'est quoi ça? Hop. Hop. André Gomez. Mais non, qu'est-ce que tu fais? C'est à droite que je voulais, pas à gauche. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ah, elle progresse bien là. Oh, dommage, je voulais faire une roulette. Martinez. Oh, mais jouez ça. Oh non, dommage. Après avoir bien pressé l'adversaire. Riyad Mahrez. Oh le bâtard. Putain, ouais. Joue bien hein. Mais il perd. Merci. Tu vas changer de camp. Voilà, comme ça on va faire ça. Hop. Allez, tu balances à haut là. Hop, tu cours, allez, tu cours. C'est un boulevard, là, allez, tu cours. Voilà. Allez, Mané. Tu cours, tu centres. Allez, hop. un centre. Bon, on va mettre ça. Oh, c'est quoi position. Ça. Ouais, très bien défendu. Tu cours ça. Mané, ouais. Martinez.
Oh non. Aïe aïe aïe. Essaye de trouver la faille. Penalty, ouais, c'est bon. L'arbitre qui avait une faute à la surface. Carton rouge, on en parle. Non. Et l'arbitre oui. Qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être. Oh, le gardien, oui. Il ouais, Ederson, trop fort. Hein. Putain, le salaud. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Oui, allez, les branlés. Putain, il est fait. Il est bon en penalty quand même. Hein. GG. Ouais, ça va être mon dernier match, les amis. Hein. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Mais il est un peu en retard, le coup d'envoi de la rencontre. Non, c'est lui. On a le temps déjà. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Ah, bah non. Pour l'adversaire. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Est-ce qu'ils vont bouger un peu le cul? La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oh, elle est belle. Oh, il n'a personne. Oh, elle est belle. Gêné dans le couloir. Allez. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Oh, c'est pas fini. Attention. Oh, la règle qui nous fait, lui. Il a pêché à la conclusion. Et le gardien qui se saisit du ballon, finalement. Il était bien placé, mais c'est quand même pas ça qui a fait déjouer l'adversaire. À cette distance, Hervé, ça doit faire but. Ça là. Mohamed Salah en penalty, oui. Yes. Le point de penalty. Déjà que la fin de match s'annonçait compliqué, là je crois que l'affaire est cuite. Hein. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange, enfin peut-être que là. Oui, contre-pied. Sur ce penalty. 3-0. C'est le but. Ce penalty au ralenti. Duel remporté donc face au gardien, c'est propre. Ah, même si ça là, j'ai une carte jaune, bah elle est bien. Là, il est très bien. Soit qu'Mbappé, je vais voir si je peux l'avoir moins cher. Je vais recompter normalement, pas pour aujourd'hui, mais bientôt. Si voilà. Est-ce qu'il va centrer? Il est hors jeu, lui. Bah oui, il est hors jeu. Ah, c'est là le jouer, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Ariane Mahrez, encore un bon ballon. Mohamed Salah, Antonio. Oh, oh. Envoyé par la barre. Oh là 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 là, quelle frappe qu'il a quand même, Tonio. Le ballon récupéré par le gardien qui va pouvoir souffler. Ouais, c'est pas passé loin là. Et ouais, but ou pas but, parfois ça se joue à trois fois rien, la preuve. Bah ben bâtard, ça. Putain, il arrive bien lui, chaque fois. Martinez. Il veut faire sortir la défense, hein, c'est clair. Non, non, je vais pas descendre, moi. Le ballon contré par le défenseur. Allez, Mandic. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. On a atteint l'heure de jeu. André Gomes. On sent qu'il est en forme hein, dans ce match. Ouais, allez, tu bouges, toi, hop. Voilà. Oh, défense. Un ballon qu'il faut aller chercher dans les pieds. Bah non, tu fais tout. Ah merde, Antonio là. Toi, dans les deux joueurs sur moi là. Comment tu fais? Bah arrête, putain, je suis rien là. Il va y avoir un bon coup franc. Pas que je prenne deux buts là. Tant pis, entraîneur qui va procéder à ces trois changements en même temps. Allez, à cette distance, ça se tente. Wentworth, Wood. D'un côté. Il va prendre sa chance, mais bon, le but c'est quand même de marquer. Ouais, je pense qu'il y avait quand même d'autres options. Une prise d'otage dans une banque, ma putain. Ça domine. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Le ballon qui sort, touche. Martinez. Ah non, le ballon est perdu. On cherche une solution là.
Sadio Mané, et défenseur qui a contré. C'est touché hein, par le. Allez, Rashford, on fait rentrer Rashford du côté droit. Écoutez cette ambiance. Par contre, le MD, j'ai plus de MD. Ah, c'est beau, hein, ils savent que la victoire est à leur portée maintenant. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. André Gomes, Tonio. Allez, ils vont jouer la touche. Sadio Mané. Tonio. Oh putain, merde, il m'a bousculé lui. Dégager ce ballon. Ouais, Van Dijk, qu'est-ce que tu veux faire avec ça toi? Personne pour l'arrêter. Oui, Antonio. Non, c'est Rashford. Ah ben là, c'est pas mal. Rashford, ouais, Rashford. Ok. T'as la même tête que Antonio, c'est pour ça. Bon, bah 4-0. Hein. D'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre. Maintenant. Alors, encore un but. Le score qui est déjà de 4-0. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre, le favori, n'a pas déçu. Oui, il était attendu pour ce match. Le score est tout à fait logique. Mais le gardien bien présent sur le centre. Rashford. Ça, ça peut devenir dangereux. C'est évident. Non. Ça sort en plus. Con. Oh merde, con. Ah par contre ça m'énerve quand les gens ils font ça aussi putain, ils font même dans le jeu comme ça. Antonio. Eh non, ça n'ira pas plus loin. Oui, c'est bon, il y a devant là. Allez, 9 minutes, il ne reste que 9 minutes à jouer. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Ah merde. Là pour intercepter ce ballon. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, il peut prendre l'espace là. Toi, il court pas le mec devant. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Ouais, ouais bah, moi aussi, je suis de la merde. Hein. Ça va être une touche. Pressing pour mettre merde. Le porteur en difficulté. Voilà, voilà où. Non, ou pas Martinez. En profondeur, oui, bien vu. Allez. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Et Dimitrovka. Il cherche des solutions là. Il progresse. Oh là là, l'occasion. Voilà, oui. Gardien. Prise de balle parfaite. Si on va jouer 2 minutes de plus, ça devrait. Rashford. Antonio. Voilà, intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Ah, il siffle là, non pas. Voilà. Voilà, c'est 0. Terminé à l'instant. Et on se dépoune tous. Bah, on fait des puntos, des points de classement de classe d'équipe, pardon. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. En plus, c'est bien, c'est. Et maintenant, 639 points quand même, hein, pas mal, hein. 1,60, ça va. Je crois que c'est dans le ici chez moi. C'est la musique qui fait ça. Bing. Maintenant, c'est le jeu qui déconne. Putain, c'est ouf. Oui, 100. Ah merde, c'est bon, on a passé. Pas assez encore, hein. Il nous faut encore 400. Putain, regardez ça, les équipes qu'il y a après. Celle de droite, ça va, mais après, c'est chaud. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on a un nouveau truc ou pas? Non. Eh ben, on a rien. On a même pas de transfert, rien du tout. Là. On n'a pas de gens qui veulent des joueurs. Après, il est bon en vitesse, lui. Sans si il est pas pris, je vais le garder pour faire une autre équipe allemande.
J'espère que c'est maintenant quand même que ça change. Ah oh, putain, c'est maintenant que ça change. Semedo, il doit avoir un truc, non? Toujours pas? Y a pas un truc là avec cache d'équipe. Oh tes conneries. Là, y a ça. Là il me reste encore un match à faire et c'est bon. Ah, délivrer 3 passes en profondeur en cache d'équipe au niveau pro. Je suis à 2. Bah du coup ouais, on va voir le nouveau pack Electrum demain du coup. Donc moi ce que je voulais voir, en fin de compte, je vais vous montrer. C'est donc là on va mettre Kanté par exemple. N'Golo Kanté 89. Sans tir, on met ça, hop. Par contre sa carte elle est à 56 000. Mais elle peut être à moins cher. Même s'il court pas vite, en MC il peut le faire. À 50 000, après on peut l'avoir moins cher, mais après ça change rien, comme ça j'aurais Kanté et puis c'est bon. 55 000. Hier il y a un mec qui vendait Kanté à 48 000. À 43 000, on peut avoir 58 000. Quitte à avoir en comme ça là, ce serait pas mal aussi. Hein. Bah bon, après ça coûte cher, mais il faut tomber au bon moment quoi. Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus les amis, je vous dis gros bisous, merci encore à vous et à bientôt et à demain. Bisous bisous.